SF Gadgat. Bienvenue dans le groupe Simu pour cette saison 5, la crème de la crème des pilotes. Éteignez le son. Rendez-vous au premier virage. A sonné sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo et les quelques 80 000 personnes présentes le savent déjà, ça va être une course fantastique. Interlagos propose un circuit long de 4,3 km avec 9 virages à gauche et 6 à droite. C'est une course adulée par les fans brésiliens de F1 où les pilotes devraient tourner à une vitesse moyenne de 220 km/h si le temps ne se gâte pas avant la fin du Grand Prix. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live de la F1 Simulator France en compagnie du groupe Simu. Il est là ce soir, il est en ma compagnie. Salut Gadgat. Salut à tous, bonjour mes amis. Grande première pour moi pour le groupe Simu, et deuxième course pour ce groupe avec un magnifique circuit au programme. Exactement. En plus, vous l'avez vu là dans la présentation du circuit du Brésil, nos quatre groupes vont venir à rouler sur celui-ci. Et ça sera le groupe Simu qui fera l'exercice, le premier passage. Donc on espère qu'on va avoir du très beau contenu, comme on a l'habitude avec ce groupe. On le rappelle, sans aide, seulement volant. Il y a déjà du petit monde qui nous a rejoint. Un nouveau follow. Salut à toi, Tonteswap72, je ne sais pas comment ça se dit. Bienvenue à toi et merci pour ton follow. Salut Aurel. Salut Aurel. Allez, on va aller. Commissaire en chef. Exactement. Et normalement, ça devrait partir. Eh bien, écoute, on va passer sur c'est parti. L'écran séparé. Dans 20 secondes. On va faire un petit point au niveau du championnat, puisqu'elle a débuté la semaine dernière sur le circuit du Portugal, comme vous pouvez le voir. Le gagnant du Grand Prix, ce n'est pas McQueen, puisqu'il a été pénalisé donc de 5 secondes. Donc, il s'est vu prendre la seconde place et Shox, le premier, comme vous pouvez le voir à l'écran. Les Mercedes, les Williams se sont en forme. En tout cas, les Williams nous ont sorti un grand jeu. On ne les attendait pas là, les rookies. Tout à fait. Les petits rookies des... Oh, il pleut bien. On va avoir droit à de la pluie ce soir. Dans ce groupe Simu, on vous le rappelle, aucune aide à la conduite. Seulement leur talent. J'en connais qui vont être contents, on ne citera pas. C'est clair, il y a les pros pluie. Il a dû danser depuis à peu près 4 heures cet après-midi. Salut Bibi Ben. Les Williams se sont en tête, comme vous pouvez le voir, avec 57 points. Mercedes derrière avec 55. Ça reste serré tout au milieu du peloton, donc on espère que cette saison va nous régaler. Pas de réservistes, puisque les 20 pilotes titulaires sont présents ce soir, donc aucun réserviste n'est à déclarer. Et puis, on y va. On y va, rendez-vous en piste. Donc, on va faire un petit point météo déjà, avant de commencer. Hop. Peut-être qu'en fin de Q2, début Q3, on peut avoir du beau temps. Peut-être. Si je regarde bien ma météo, d'ici 5 minutes, c'est bizarre. Non. Bah, moi, en tout cas, pour la Q1, j'ai pluie, full pluie. Enfin, en tout cas, inter. Ok. Je crois. En un quart d'heure, je ne crois pas que la pluie baissera. Par contre, effectivement, pour la suivante, c'est pas impossible. Que l'on finisse sur du sec.
Ça va être très intéressant de voir. Parce que si ça se trouve, il y en a qui sont plus à l'aise sous la pluie que sur le sec. Et donc, on peut avoir du beau résultat chez certains pilotes. Et surtout, on voit que pour l'instant, personne tente. Tout le monde est au stand. Je te bouge un peu, je vais te grossir un peu. Voilà. Ah, vas-y. Si non, c'est veux, bon, si voilà. Non, t'inquiète, ne bouge voilà. pas. Ne bouge pas d'un poil, ça va nickel. Alors, on a les deux Ferrari qui sont sortis. Wizard devant Felcoz. Allez, on va se mettre avec Wizard alors. Hop. Mettons-nous avec Wizard qui va nous faire un premier temps. S'il ne laisse pas passer son coéquipier, bien évidemment. Ouais, caméra. Hop, mais bon. Ok. Allez, on vous le rappelle, donc ça sera la Q hein, qui va débuter maintenant. La première qualification, on va se voir éliminer les 5 derniers. Ensuite, nous partirons donc en deuxième qualification. On reperdra 5 derniers pour ensuite terminer le top 10 en Q3. Tout à fait. Mais, petit rappel, bien évidemment, vous avez pu le voir donc au classement. Chaque pilote qui termine la course viendra donc à remporter des points, comme vous pouvez le voir, jusqu'au 20e, donc qui rapportera un petit point. Donc, c'est pour ça que ça, je pense que ça va jouer très serré cette saison. Ça va être très intéressant. Oui, oui, oui. Le calendrier du groupe Simu, puisque on vous le rappelle, bien évidemment, les quatre groupes de la semaine ne roulent pas du tout sur les mêmes circuits chaque semaine. Non, ce soir, c'est non, le groupe c'est Simu. C'est la nouveauté de cette saison. Exactement. Salut The Coco. Salut à toi. Salut à toi The Coco. Et la semaine prochaine, nous serons à Singapour sous qualification sprint. Enfin, sous fait. Sprint. Pas qualification, sous sprint. Hein, donc. Course sprint. Voilà. Course sprint avant la course normale. Ça va être intéressant. Allez, place. En piste, avec Wizard. Ouais. Wizard qui en finit avec son tour. Et ouais, ça glisse énormément parce que je vois que au niveau de l'accélération, c'est très dosé. Donc à mon avis, il prend ses marques sur ce tour-là, je pense. Ouais, sur ce tour-là, ouais. Allez, on le voit. 1.21, 298. Peut-être un grand tour, peut-être un... Ah, ah non, il lance son tour. Il n'était pas batterie activée, maintenant il est. Oui, Felcoz, c'est pareil. Hein. C'est l'arrière qui suit. Ouais. Donc on a fait deux tours de chauffe. Et chenapan. Alors. Mais les autres pilotes, on est sur pareil. Juju, pareil, deux tours de chauffe. Moustique, est-ce qu'il attaque son tour? Un petit point caméra, on a des caméras de pilotes bon. Ce soir. Ouais. Felcoz, comme d'habitude, nous offre son point de vue. Concentré. Il est concentré là parce que. Ah. Il tense. Un meilleur tour, mais est-ce qu'il était. Il était sur un tour. Ouais, là, il lance son tour. Ouais. Ce ne sont pas des tours lancés. Qui avons-nous en caméra? Mais tiens, il vient d'arriver. Nous avons Juju, notre Viking. Et oui. Exactement. Et Wizard qui vient d'en finir avec son tour. Et Felcoz aussi en 1.18.3. Ouf. Ah oui. Et non, j'allais dire les deux McLaren qui suivaient, mais... Je me suis dit, oula, mais non. Il y en a un qui sort et l'autre qui est en cours. Qui avons-nous? Nous avons aussi Moustique en caméra. Il est là, Moustique. Il est quatrième en 1.20.624. Ouais. J'avais Reda à un moment donné en caméra et je n'ai plus Reda. Tom a quitté la session. Je Tom, ça fait que ça. J'espère que ça va stabiliser parce que ça fait des deux ou trois fois là. Ouais.
Ça serait bête de se voir pas prendre le départ. Nous avons Nenel qui est en tour. Ouh, ça sort large. Ah, Kamado, une 18.5. Exact. Ouais, beau tour, hein, beau tour. Nenel, oula, qui n'était pas. Premier secteur, il y a du monde là. Je sais pas s'il y a du monde, tour, premier mais... secteur, c'est dangereux. Non, je peux. Ah, quand même, il est. J'espère qu'il était en tour quand même. Mais ouais, mais là-bas. Parce que sinon, je m'inquiète. Choc, c'est dans l'herbe. Ouh là là, il y a des panneaux qui se sont fait un petit peu éclater devant. Exactement. Et a priori, pas de dégâts, c'est juste un spin. Donc allez, ça va. Fatal qui lance. Tenter... Ah non, ça rentre. Il me tarde de pouvoir rouler un mercredi soir. Eh bien écoute, The Coco, tu sais ce qu'il y a à faire. Hein. Et puis, il faut qu'il y ait des absents. Ce soir, il n'y en a pas encore. Tu n'as qu'à voter présent dans les réservistes. Et puis, c'est si ça. Tu es dans les premiers et les plus souvent présents, tu seras sélectionné. Exact. Fatal Gaming, qu'on est en train de suivre. Il y a du monde ce soir dans les commentaires qui l'encourage, en tout cas. Ouais, Fatal, c'est lancé, pas très très rapide le premier secteur. Ouais, c'est le temps de prendre ses marges, je pense, sous la pluie. Ouais, c'est une piste sous la pluie qui est dure. Hein. Ouais. Ouais, Felco, une 17.9. Une 17.9, ouais, ça y est. Les 17 commencent à tomber. Et j'avais pas vu Juju, une 18.5, P3. Ouais. Oh là oh là, mais Kamado, tiens, Kamado avec collision avec Makeups. Effectivement, je vois Makeups qui. Non, c'est pas Makeups, c'est Castine. Ouais, il est en perdition dans cette heure de non. C'est pas mes... Non, c'est pas Makeups, c'était Bastien. Ok. Qui est en perdition, donc Makeups, il y a une collision sur la piste, a priori. Dommage. Dommage. Pourtant, je ne vois pas de dégâts. La Mercedes de McQueen est en tour. Et Kamado, effectivement, Kamado a cassé son aileron avant. Ouais. C'est pour ça qu'il est au ralenti. Donc, à voir. Oh ! Ah non, pardon. Ça glisse. C'est Prodigy qui était à l'arrêt. Elena Lu nous dit la pluie. Avec des bonhommes qui... Ouais. Ah ouais. La pluie est en rendez-vous pour les qualifications pour l'instant. On n'a pas de nouvelles pour la course, on en verra plus en détail tout à l'heure. Et puis, on ne peut pas tout dire au début non plus. Ah, c'est Rob. C'est vrai, ça me disait quelque chose. Oh, Wizard, une 17.6. Ça va se battre avec les Ferrari devant. Choc, c'est en tour. Non, tour de sortie, pardon. Souni. Salut Salomé. Salome. Salut Béraud. Salut à tous. Oh Bastien qui vient de casser avant l'entrée des stands, j'ai l'impression. Il est où Bastien? Non, on va le voir sur une Red Bull à la sortie. Oh non. Ah oui, à gauche, il est à gauche à la sortie des stands. Ouais. Aïe, premier abandon. Alors, est-ce que c'est à la sortie des stands ou est-ce que c'est sur un... qui s'est retrouvé là à l'Axel? C'est possible. Les Ferrari sont en forme ce soir, ça a l'air en tout cas. Et Guitens aussi qui est en forme, parce que Guitens, je ne le connaissais pas, c'est rapide sous la pluie. Et McQueen tiens, qui vient. De faire aussi son temps. Exactement, oui. On a Tom, ça y est, qui nous a rejoint. Pour vous indiquer, Souni se voit pénalisé sur ce Grand Prix. Il ne pourra pas mieux se qualifier que là, à la 10e position. Voilà. Il est donc privé s'il arrive, de Q3. Voilà, s'il arrive à passer en Q3, il ne pourra pas faire un temps mieux que les 9 autres pilotes. Donc, il n'aura pas le droit de sortir, surtout. Ouais. Il peut sortir s'il veut, mais bon, il faudra qu'il fasse un temps de 3 minutes, quoi. Pour être sûr. Donc,
de pas prendre la 9e place ou quoi. Il a arrêté de pleuvoir, si t'as vu. Et Cheikh Ismaël, une 17.8. Et écoute, oui, effectivement, moi, les temps. D'ici, ouais. Les temps vont s'améliorer. D'ici 2-3 tours, il y a possibilité peut-être. Attends, je vais te dire ça. Météo, on nous indique. Ça baisse tout doucement. Ça baisse tout doucement. Plus de pluie. Il n'y a plus de pluie à prévoir et le soleil apparaît d'ici 10 minutes. Ouais, mais donc du coup, on sera en Q2. On sera en Q2, donc après en Q2, on repart à zéro. Parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Allez, on a Taxi Julien qui est en tour. Nenel qui améliore, 6e position. Une 18-150 qui est devant son coéquipier Shox. Oui, Hervé, en tout cas, moi, ce que je note, c'est les Red Bull qui sont quand même en mauvaise position. 12 et 13, pardon. Ils sont pas loin de l'élimination. Et Taxi Julien qui améliore, mais pas assez pour gagner une position. Ouais. Et Prodigy et Fatal, ils se suivent même au classement général. Tenez, on va vous mettre ça. 11e et 12e. 11e The Prodigy, 12e Fatal Gaming. Devant, on a Shox, devant McQueen. Et seulement deux pilotes qui n'ont pas terminé la semaine dernière, Souni et Cheikh Ismaël, sont à 0 points. Tout à fait. Et notre ami Hervé qui met The Ride in the Rain en chanson. C'est un peu ça. Allez, Guitan, c'est allé. Kama. Alors, on nous a... dit Yaya. Donc, salut Yaya. Allez, Reda, nous dit Salomé. Salomé, ça le support dans le chat alors qu'il est dans la pièce à côté. Là, il est concentré, on peut pas lui parler. Ouais, c'est. Je voulais voir, tiens. Il est dehors. Isaltar, troisième temps. Oh. Et McQueen qui prépare les softs ou c'est du bluff? Non, c'est du bluff. Et Juju, une 17.7. Oui, ouais, les temps. La piste s'améliore quand même, je pense. Parce que quand je vois que Juju a amélioré de plus d'une seconde. Et Reda. Parlez là, pardon. Et Shox, une 17.3. Oh oui. Le gagnant du Grand Prix la semaine dernière avec sa Williams vient chercher le meilleur temps provisoire de cette Q1. Attention à Hereda qui lance son tour, je suppose. Oui, je te confirme. Oui, voilà. Il vient d'activer sa batterie. Il lance son tour. Ouh, ça glisse. Et en plus, on le rappelle, on fait bien de le dire, Yaya, éliminé en Q1 la semaine dernière. Le pilote Mercedes, mais qui est remonté très très fort puisqu'il a terminé sur le podium en course sur le circuit du Portugal. À la troisième place, il avait terminé. Ouais. Là, il a vraiment pas trop le droit à l'erreur parce qu'il ne pourra pas faire plus de deux tours encore. A priori. Ouais. On va le suivre. Pour l'instant, il n'y a que lui qui est en tour. C'est le seul qui doit être en tour, a priori. Ah, il y a Tom Chanoir, Taxi Julien, ils sont en tour de sortie, Prodigy aussi. Et Souni maintenant. Et... Kamado, qui vient de passer deuxième, en 1.17.495. Pelkoz descend, 9e temps maintenant. Oui, les Ferrari... Et ça Reda, va passer pour Reda. Reda, 4e. Très très beau. Une 17-6. Ça y est. La Mercedes retrouve des couleurs. En tout cas, chez Reda, McQueen, 8e. Ils ont mis le vrai moteur. Cette fois-ci. Pour les qualifs. On a Chat Noir en danger. On va aller voir un petit peu ceux qui sont en danger. On n'a pas l'habitude, mais il y a The Prodigy donc qui est en danger. Prodigy qui est Fatal aussi. Parce que Fatal, 14e. Ah ben, Chat Noir, il s'est raté. Attention à ne pas gêner. Il est sur son tour de... De chauffe. Je pense, parce qu'il est sur son premier tour.
Je pense qu'il faut deux tours de. En général, il faut deux tours de chauffe. De ce que j'ai pu voir. Allez, on a les 7. Taxi Julien qui remonte troisième place. Monstrueux. Oh, oui. L'Alpine. Monstrueuse. Tom qui vient de couper et qui va pouvoir relancer sa relance. Nous avons The Prodigy donc. Pour l'instant, le secteur 1 appartient à Kamado, le secteur 2 Wizard et le secteur 3 est à Shox. Et Prodigy qui en avance de 5 dixièmes. Donc ça va Meilleur temps dans suffire. le secteur 2. Meilleur temps dans le secteur 2. Ouais, ça va suffire pour passer. Ah ben, je pense qu'il va grimper là. Juju va peut-être sortir en soft. Ça les prépare. Oh, Make-ups! make-ups! Ah oui, la piste, ça sèche clairement là. C'est en train de tous les temps Et tomber. The Voilà. Prodigy! Ismaël. Et check! Oh là 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 là! Une casse. Non, mais le. Et Alors, je McQueen, vois qu'il y a une des. 15. Ouais. Alors attention à ceux qui sont au stand, qui ne sont pas ressortis, parce que là, Ça attention, s'améliore, ça hein. Ça. peut. Ça améliore fortement, s'il n'y a pas d'erreur, ça peut faire très très mal. Ouais, Fatal qui est en avance, mais pas suffisamment. Ça va être Et compliqué, attention ça à va être des certainement. pilotes comme Reda, Juju et Felcos qui sont au stand. Parce que Felcos, 14e, 15e maintenant, attention. Ouh là là, Souni qui remonte, quatrième. Shox, Kamado, une 16-0. Oh lolo. Ouais. T'as eu même make-up, hein. Il était premier, il est redescendu très vite, sixième. Et Felcos qui va sortir en Q1. Oh, 16e. il sort en Oh oui. Q1! Il a plus le temps! Eh non. Il est dans les stands. Il est dans les stands. Et ben Et regarde, il est plus que dans attention. les stands. Chat noir, septième. Et attention, Juju 15e et Reda Rigole. 14e. Est-ce que ça va passer? J'ai peur que non. Allez, Fatal, faut aller voir Fatal. Que va nous faire Fatal. Fatal? Bisous, Maskipinette. Oh, Fatal, ça va passer. Oui, ça devrait passer. Et Fatal qui sort Ben. Juju. Fatal qui sort Juju. Et Reda aussi qui sort. Oh non! Reda, Juju, Felcoz et Isaltar. Je Oh pense que c'est Sébastien qui a lol. cassé. Et Et Nenel qui va chercher le Nenel qui meilleur sort temps. Bonnard. Oh là 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 là. Mais qui. Oh! C'était un truc de fou là, ces premières qualifications là. Ouh là, il y a. Attends. Hervé qui dit, vas-y, vas-y. Non, je montre juste la caméra du juge, je l'ai vu un petit peu. Pas content. Soufflé, et puis ouais, voilà. Il s'y attendait pas, Et je il avait. pense. Non, non. Il pensait pas que la piste allait s'améliorer comme ça, je pense. Je te Parce laisse l'honneur qu'effectivement, il pour les avait fait un bon messages, temps. ouais. Ouais. Et Hervé qui nous dit la crème et Gat-Gat, le nouveau duo de caster, mais il y en a un des deux qui crie plus fort. Bon, on va pas dire lequel c'est. Non. T'inquiète pas, à force, il va crier plus fort que moi aussi. Alors, Hervé, juste pour info, j'ai quand même baissé le son du casque, hein, parce que sinon j'ai les je suis sourd à la fin de la soirée. Allez, fin de cette Q1. Malheureusement, c'est une seconde fois que Reda prendra la 16e position. Non, il était parti de la Ouais. 17e, tu vois, 17e, tout la à semaine fait. dernière. Et Juju, on a vu. 17e. Ah ouais. C'est dommage, il avait Juju préparé les softs là et là, on voit que le circuit, il est safe, qui est. Il est là, pour sec. les softs. Et DRS activé. Il lui manquait une minute. Ouais. Allez, qui c'est qu'on attend? Ce serait Et bien que. ben. Je sais pas, je dirais que c'est Moustique qui est dans les stands. Steward Warning. Qui c'est qui est. Ce serait bien. Ce serait bien qu'on en finisse, ça fait longtemps que c'est fini. Ah Ah, ça voilà. y est, voilà. Taxi Julien avec son coéquipier qui sont réussis. On a l'image sur eux, les Alpines sont qualifiés pour la Q2. Puisqu'ils ont fait 8e et 13e, on n'oublie pas la pénalité de Kamado qui est de 5 Tout à fait. positions. Oui.
Le meilleur temps pour l'instant provisoire de cette Q1, enfin provisoire, non, de cette Q1, puisqu'on De sait qu'il va Nenel. faire beau, a été pour Nenel, le pilote Williams, en 1.14.922. Il doit être fier, en tout cas il peut. Et on retrouve malheureusement les éliminés, 16e Reda, Juju 17e, malheureusement Ouais. Isaltar partira également à la 18e position. Felcoz, Tout à fait. qui riait 19e. comme Et qui a on ne sait pas. abandonné le baquet. Ouais, en Et plus. Bastien qui a cassé, qui n'a pas fait de temps réel. Exactement. Et j'espère Deuxième. pour toi, Salomé, que Reda va remonter. Mais elle s'inquiète pas. Ouais, on espère en tout cas. De toute façon, on le sait, hein, ça va être un pilote de course, on le dira. Mais partir de derrière au Brésil, pff, attention. C'est pas tout le monde qui peut faire une Hamilton, comme on dit. Alors même s'il a une Mercedes, à voir. Exactement. Ouais, installe-toi, Isoltar, je t'en prie. Tu peux rester avec nous. Météo, eh ben, beau temps, hein. Ça y est, le soleil fait son apparition. C'est Eh oui. l'air bien sec en piste. Ouais. Et là, Le c'est... rappel. Constructeur, Williams est en tête avec 57 points, Mercedes 55, AlphaTauri 31, les Ferrari avec 24 points, As 21, Red Bull Racing 19 points, Alfa Romeo 18, McLaren 14, Alpine 11 et Aston Martin 5 points. Rien n'est encore joué, on n'est qu'à la deuxième manche. Non, ce n'est que le début. Et comme tout à l'heure, on a Wizard qui sort le premier. Allez, on va Ah se non, qui mettre sort le avec la deuxième, première. pardon. Moustique était devant, je ne l'avais pas vu. Autant pour moi. Allez, on va se mettre avec Moustique alors. Et en caméra en plus, puisqu'il nous offre sa vision de piste. Avec son beau volant Ferrari, mais il a que le moteur ce soir. C'est déjà pas mal. J'ai trop foiré, j'ai cut. Eh ouais, mais... Pour 10 mm. Ouais. Ça pardonne pas, hein. Alors, est-ce qu'on a des on Alors, on a Wizard donc qui est en médium. Ah, bah oui, c'est vrai. Quelle Mais oui, stratégie parce que de là, pneus ils vont il adopter? retrouve des trains de pneus complets. Ouais, exactement. D'autres en Et médium mais sont toujours au stand. Et c'est le seul en médium sur la piste. Ok. Bon, après, ils sont pas encore nombreux à être sortis. J'irai la Non. moitié. Mais déjà, Moustique en tour. Ouais. Je pense qu'il n'y aura pas de tour d'échauffe, hein. Ouais, ils Non, sont non, là ils sont direct. déjà... Ah ouais. Ouais. On va voir que Moustique va arriver dans le trafic déjà. Ouais, j'espère qu'il va pas être gêné. Ouais, la Mercedes de McQueen devant lui. Ouais, mais un peu trop loin, elle ne viendra pas. Ouais, il est plus rapide, hein. Ouais, il a accéléré un peu. Allez, en tout cas, il a perdu le secteur 1 moustique, donc ça veut dire que ça roule plus fort derrière. Ouais. Ça va être le premier à mettre un temps. Une neuf, Une 0. 9-0, effectivement, c'est pas un temps exceptionnel. Et Wizard en médium. Une 9.2. Écoute, Alors, quel est le prochain à faire un tour? eh ben, Ah il y bah a c'est plus. Kamado qui vient en Yamado. 1-9-4. Oh, il y a un spin. Ah non, ça laisse passer. Ça laisse passer. Qu'avons-nous? Est-ce qu'on a Guitens? Oui. Guitens, on l'avait pas vu. Mais Mais tiens! Guitens, meilleur temps. Meilleur temps provisoire, une 8.691 pour l'Alpine de Guitens. Est-ce que son coéquipier fera mieux?
Fatal et Makeup sont en tour de sortie. McQueen ouais. est en tour. Et McQueen vient de battre deuxième secteur. Ouais. Ça va plus vite que Guitance. Ça fait un bon temps. Ouais. 1:08.2. 4 dixièmes sur Guitance. C'est... Alors, attention à Nenel qui arrive. En médium. Nenel en médium. Ah oui. Il va arriver. Ça va être un peu loin. Et Shox aussi qui arrive en médium. Mais ce sera derrière. Mais c'est très très bien quand même. Une seconde d'écart entre les coéquipiers. Alors, médium, c'est un très bon temps. Ça reste un très bon temps. On a Makeups. Chanois. Oh, Makeups qui va être gêné! Qui va être gêné par la Aston Martin! Et qui le fera couper, malheureusement! On a Souni aussi, c'est un bon temps. C'est un troisième, 1:08.7. C'est Check Ismail qui aura gêné. Non, c'est pas Check. Check Ismail, c'est Tom. C'est Tom. C'est Tom qui aura gêné le tour, malheureusement. Deux Makeups. Taxi Julien qui est toujours. C'est moi ou les deux relancer. Les deux Williams oui. se suivent. Regarde les Williams. Attends, je vais aller voir les. Oh, ça spin sur un pilote. Ah oui, il y a une belle aspiration de données là. Eh oui. Mais qui n'a pas servi, hein, puisque bon. Peut-être à lancer. Il est en train de relancer un tour là. Oui, c'est pour lancer. Oui, c'est sur son tour de lancer. Ok. Il était sur un tour de relâche. Parce qu'il aura plus de batterie. Mais... Il aura plus de batterie, il aura surtout plus d'essence. Parce que là, il est à 30% de batterie dans le secteur, alors... début du secteur 2. Ou alors ça travaille pour après. Oh, ça sort large en plus. Et ça coupe pas, coupe pas. Mais ouais, bon, il a coupé le moteur. Ça sert à rien de continuer, ça a dû perdre beaucoup de temps. Non, puis de toute façon, en médium. Revenons-en à Makeup. Est-ce que Makeup, s'il a pu faire le. Ah, il a plus de batterie. Il finit son tour. Et ça va finir le tour. Une bis. Mais il avait plus de batterie, limite. Hein. Suite à sa gêne. Oui, oui. Mais Tom qui vient prendre la troisième position. Et Taxi ouais. Julien qui va lancer son tour. Et oui. Et Kamado qui en finit aussi ou qui rattaque un tour. Qui rattaque. Les médiums, est-ce qu'ils vont pouvoir passer en médium? C'est ça la question. On a Nenel qui est ressorti en soft. Mais que va faire Wizard Shox aussi qui est sorti en soft. Ce Prodigy, cinquième. Ouais. Taxi Julien qui prend le secteur 1 en violet. Ouh. Attention aux Alpines ce soir. Ça a l'air de rouler dur. Eh oui, ils sont chauds. Secteur 2, non, il est à 5 dixièmes derrière McQueen. Il a un petit peu perdu dans le secteur 2. Ouais. Mais grosse perf des Alpines ce soir. Tu vois, je voulais faire un petit jeu avec eux. Et troisième temps. Magnifique. Magnifique. Troisième temps pour Taxi Julien. À seulement à moins d'un dixième, puisqu'il Kamado est à 30 millièmes. Septième. Septième Kamado. Nenel qui lance son tour. Allez, on va jouer ensemble, tiens. Vas-y, je te l'espère. Ouais, vas-y. Hein. Et qu'est-ce que tu mettrais? Là, je vais demander si
vous voyez les As en Q3. Ça va aller très vite. Vous avez une petite minute pour répondre à cette prédiction. La voici en commentaire. Est-ce que les As, je dis bien les deux, seront en Q3? Les réponses sont simples. Oui ou non. Vous avez une minute. C'est dans les commentaires. Oh, Nenel qui était en avance, mais qui a pris large. Et ça va rentrer. Non. Fatal est en tour de sortie. 12e pour Nenel, ça suffira pas. Il va falloir en retenter. Et on a Check qui doit être ce. Qui est coupé. Check, il est en tour de sortie. Il est en tour, mais il a pris. I am stupid. I switch off everything. T'as été coupé par le sandalaire de Juju. Donc merci Juju. Une partie du Québec est avec toi, McQueen. Lâche pas. Oh, Sony, la pole. Une 8.1. Eh, pour l'instant, c'est la McLaren de Sony, ouais, qui vient devant. On va aller voir un petit peu derrière. On a Makeups qui va lancer. Et Chuck Ismael qui en finit, mais sans ERS. Et qui est troisième. Qui est troisième avec la moitié de la ligne droite sans ERS. Ça devait rouler fort là. Ça promet. Tiens, il y a les pilotes pluie et il y a des pilotes secs. Hein. Ah oui, oui. On retrouve totalement un. Comment dire? Un classement différent de ce qu'on a pu voir en Q1. Ouais, et on a Fatal qui va en finir de son tour. Est-ce que ça va améliorer? Ouais, 7ème Fatal. 8ème. Non, 8ème maintenant. Et Wizard, ouais. Je crois. La Ferrari. Il va en finir. Ouais, ouais, la Ferrari de Wizard. En 1.8.442, on a Makeups qui va arriver. Il est à 1 seconde 4 de retard pour l'instant sur Sony, mais il améliore ses chronos. Salut Tipple. Makeups qui va arriver. Ouh, ça sort large. Eh, ça améliore pas. Ça améliore, mais pas assez. Et Chat Noir qui relance ou pas? Ouais, qui relance. Ouais, ouais, il est en train. Il a 2 dixièmes de retard sur le pilote qui a le secteur 1 et c'est autre que Souni qui a secteur 1, secteur 2 et Guitens, le secteur 3. Les Alpines, là, elles avaient le feu. C'est très serré encore. Extrêmement serré. Et Chat Noir qui va en finir, dernier virage, qui est en avance. Vous avez été 9 à voter. Suffire pour passer. Est-ce que ça va suffire pour passer? Il y a 77% des 9 qui ont voté non et 23% oui. Très intéressant. Ah, Chat Noir, donc... ça suffira pas. C'est fini, non. À mon avis. Sauf s'il arrive à relancer, mais il a même plus d'essence pour finir un tour. C'est fini pour lui. Allez, Moustique! Des gens comptent sur toi, faut pas les décevoir, il faut ressortir. Ils ont voté oui, ils te voient tous dans le en Q3 avec ton coéquipier Kamado. Kamado qui est ressorti, ouais. Il est en tour de sortie. On a The Prodigy qui est en tour, il va rentrer, je pense. Non, il va lancer. Non, il finit son. Ah non, il finit, ouais, mais il a plus de batterie. Pourquoi il l'a freiné? Ah, il veut pas gêner la Lina. La Williams. Bah écoute, il était en train d'améliorer son secteur 1, mais pas le secteur 2. Non, mais ok. Greda qui nous annonce que Guitens fera un podium ce soir. Bah, écoute, effectivement, les deux. Même peut-être bien les deux Alpines. Parce qu'ils sont ouais, peut-être, ouais. Ouais. Souni aussi qui est ressorti. Hein. Ouais, bon, ça use un peu des pneus. De toute façon, il va pas les user en Q3, donc il peut les. il peut s'en charger maintenant. C'est pas faux.
Non, en plus il a l'air d'être ressorti avec les pneus usés déjà. Et après, allez, il on va raison, suivre. Il va les garder pour la course. Il peut. C'est ça. Et on va suivre les deux, Alpi, les deux Red Bull qui sont à la limite. Ouais. Make-up ce qui améliore, mais gagne qu'une position. Il reste 45 secondes. On a Kamado qui va arriver, qui n'améliore pas son secteur 2. Est-ce qu'il va améliorer le secteur 3? Tandis que son coéquipier a lancé. Ça améliore, ça prend la 10e place. Prodigy est en dehors. On a Moustique est en tour. Eh oui. Pour l'instant, ils sont. Même limite. Fatal, il n'est pas passé. C'est très 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 compliqué là pour ces pilotes. Attention Nenel, make-up alors... chat noir, Moustique, Prodigy. Ça roule fort. Ah ouais ouais. Moustique qui a l'air d'être en avance sur son temps. Ouais. De pas beaucoup. On va voir si ça améliore sur la fin. Il est en avance, il est à 5 dixièmes de retard sur Souni. Il grimaçouille un petit peu, mais ça va passer. Je suis sûr que ça va passer. Il va remonter. Allez, j'irai 6e. Ouh. Ah, 9e Moustique. Il sort son coéquipier, malheureusement. Oh oui. Pour l'instant, son coéquipier est mis dehors. Ouais. Et il rentre dans les stands. C'est fini pour Kamado. C'est fini. The Prodigy. Prodigy qui va c'est en terminé. C'est terminé. The Prodigy qui ne passe pas en Q3. Ici, il finit son tour. Et il ne passe pas. Et non. Ça passe pas. Il n'y a que Fatal qui a réussi à s'y glisser. Et en plus, remonte à la 6e position qui pousse Moustique. Bravo, Fatal. 10e. C'est terminé. C'est malheureusement, fini. Il fallait répondre. Il fallait répondre non, hein, malheureusement. Eh oui. Léa sera en Q3. Malheureusement, non. Allez, fin de cette deuxième qualification. Ouais. Ce soir. Allez, on va faire les compliqués. Qui sera en pole position pour la prochaine? Tac. Alors. Alors, si tu peux me donner le top 10. Ce serait super. Alors, le top 10. Alors, Souni, on l'enlève. Oui. Qu'il est ban. Donc, McQueen. Oui. Shox. Oui. Wizard. Yes. Check Ismail. Yes. Fatal. Guitance. Taxi Julien. Yes. Tom. Et Moustique. Allez, ça part. Hop. Tom et Moustique. On va vous laisser. 2 minutes. Ouais, alors attends que la Q3 commence. 5 minutes. Ouais, on va vous laisser 5 minutes pour nous répondre à cette question qui sera en pole position. C'est parti maintenant. Vous avez 5 minutes pour nous dire. Qui vous voyez en pole positions pour cette Q3 qui va débuter d'ici 15 secondes. On rappelle les éliminés. Malheureusement, ça sera 11e le pilote Williams, Nenel. 12e The Prodigy avec Red Bull. Kamado partira à la 13e position. Chat Noir, 14e. Et on retrouvera l'AlphaTauri de Makeups à la 15e position. La Q3, c'est maintenant. C'est Flash McQueen. Tipple nous dit. Qui c'est? Peut-être bien. Peut-être pas. En tout cas, voilà, il vous reste environ 4 minutes. Donc, n'hésitez pas. Je veux un max de pronostics là-dessus.
Donc n'hésitez pas à nous inscrire vos prédictions. Bombardez-moi de prédictions, de points de chaîne. Jouez le jeu, alors, bien ça serait monstrueux. Spaceman. Et je réponds à ta question, c'est tout niveau. Alors, oui, on accepte tout niveau. Après, ce n'est pas tout niveau. Par exemple, le groupe Simu, il n'y a aucune aide. Le groupe Donc, expert, les... il ouais, y a c'est ça. Uniquement la trage. Et le groupe arcade, mercredi. Donc, il y a l'antipatinage en intermédiaire et l'ABS qui est autorisé avec la trage. Et chose très importante, ce ne sont uniquement que des pilotes volants. Il n'y a pas de pilote manette. Exactement. Voilà. Attends, pour le prouver. Exactement. Je suis fatal, mettre les caméras. Mais il y a un moustique. Alors, pour le prouver, tu peux mettre Felcoz aussi. Tu peux mettre Felcoz pour le prouver. Je peux mettre Felcoz qui est en train de dormir sur son volant. Et Juju aussi. Je peux mettre Juju qui regarde comme vous. Mais c'est tout niveau, bien évidemment, c'est tout niveau. Sauf que voilà, tous nos pilotes sans aide sont là. Ah bah c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur pour eux, mais il y a du tout niveau. Il y a qui évolue. Moi, le premier, par exemple, je roule le mardi et groupe expert, j'étais avec la trage. C'est très compliqué. Bonjour. Oui. Voilà. Étant contre toi sur la piste, mais étant contre toi sur la piste le mardi, c'est compliqué. D'ailleurs, arrivant, c'est ta faute la semaine dernière. Tu roulais pas assez vite. Oui, mais j'ai fini devant. En tout cas, c'est un pur régal parce qu'on a un groupe. Trois groupes, c'est propre. Parce que j'ai envie de dire le groupe Simu, le groupe expert et le groupe arcade. Je pense qu'on a enfin réussi à assembler tous ces pilotes qui nous forment des courses exceptionnelles, ouais. Des premiers virages exceptionnels, et des courses exceptionnelles. C'est resté dans un forme très propre. Exactement. Mais attention, jeudi soir, c'est la première, ne l'oubliez pas, pour notre groupe WSF. Qui est entièrement consacré aux pilotes féminines. Donc, ça sera jeudi soir, comme chaque soir, hein, dès 21h. Dès 20h45, vous allez pouvoir nous retrouver en live pour le début des hostilités. À 21h, que des nanas qui seront sur la piste. Ça sera... C'est une grande nouveauté. À Dente. Exactement. Fatal, qui va arriver... Il y a déjà du chrono qui est tombé. McQueen en 1.7971. Ouais, moitié. McQueen qui est le premier à descendre en dessous de la seconde 8. De la minute ce 8, pardon. Oui. Il vous reste que quelques 8, minutes. Quelques secondes, pardon, pour les prédictions. Il vous reste 30 secondes pour les prédictions. C'est en haut des commentaires. Foncez. Foncez, nous donner vos pronostics. En tout cas, pour l'instant. Ou allez. Oh là là, les points de chaîne, tu verrais le nombre de points de chaîne qu'il y a. Je n'ai pas vu. Il y a plus de 35 000 points de chaîne mis en jeu. Bon. Vous êtes 10 à donner McQueen comme Paulman. Une seule personne, Shox, et deux Fatal. Pour Fatal Gaming. Ouais, effectivement, là, il y en a qui risquent de s'en mettre plein les poches. Aïe. McQueen, certes, il est devant, mais derrière, c'est très proche. Si McQueen fait pas la pole, on est tous ruinés. Ah là, ouais. Ah oui, et celui... celui qui a voté pour quelqu'un, tant mieux, mais celui qui a pas voté... Aïe. Alors, Taxi Julien, 7e. On a Tom qui passe à la 7e place, 1.08.606. Souni qui est quand même dehors, mais attention à ne pas faire de chrono. Puisqu'on le rappelle, il a une pénalité à Taxi Julien. Ouais, non, j'allais dire qu'il relançait, mais je crois pas parce qu'il a coupé. Ouais, pour l'instant, ils sont tous rentrés au stand. Tom non plus. McQueen qui est encore en tour, mais il n'améliore pas le 7-1, donc je pense que... Non, il rentre, il n'a pas de...
Ah si, là, le reste, mais il va rentrer. Il a un dixième de retard sur le temps de Wizard qui a obtenu le meilleur temps dans le secteur 2. Shox a le secteur 1, Wizard le secteur 2, McQueen le secteur 3. Ouais, effectivement. Il est rentré un petit peu vite dans la voie des stands et il a pris un avertissement. Ça s'est vu en live. Il a un tout petit peu freiné, pour pas dire pas du tout. Ouais. Mais... Taxi Julien qui rentre, Tom qui rentre, tout le monde est dehors, sauf Guitance. Alors on va suivre Guitance sur son tour de sortie. Et on a Souni aussi en tour. Ceux qui ont voté Souni, RIP, on l'a pas mis. On a été gentil, on l'a pas mis. Bon, de toute façon, il ne fera pas de temps. Ne t'inquiète pas, Felkoz. Il chauffe ses pneus. Mais il n'a pas le droit, bien évidemment, de faire de temps. Oui, parce qu'on lui a dit qu'il avait l'autorisation de sortir, mais qu'il n'avait pas l'autorisation de faire de temps correct. Exactement. Si là, il me pète une 8-3, il va avoir des problèmes. c'est assez risque et péril. Ah, faut jouer dans la vie. Allez, Guitan, ce qui n'améliore pas pour l'instant son secteur 1, qui est obtenu par Shox, si je me rappelle bien. Mais les deux Alpines qui sont en Q3, et ça, c'est chapeau. C'est tout nouveau. Et c'est tout nouveau, surtout. Ouais. De voir des Alpines en Q3. Et en plus, Guitan, ce qui va être aidé par une McLaren, j'ai l'impression. Il est en retard de... Un dixième, donc ça peut l'aider. Et c'est ce qu'il va chercher, hein. On le voit, il essaie de prendre l'inspiration de Souni à mort. Et quatrième temps, une 8-137 pour Guitance. Pas mal du tout. Fatal en tour de sortie également. Le Wizard qui sort aussi. Si McQueen il prend pas la pole, parce qu'on vous rappelle qu'il n'a pas pris la pole la semaine dernière. Hein. Non. C'était Souni. C'était Souni, exactement, exact. Souni aurait pu, mais malheureusement. Ouais. Pour lui, il a fait une petite erreur la semaine dernière qui a coûté de gros points à certains pilotes. Trois pilotes en 3 millièmes, exactement. Ouais. Ouais. Et Wizard, donc, il va lancer son tour. Ouais. On a Wizard en 134, Shox, je n'ai pas son chrono puisqu'il est c'est marqué pour l'instant. Donc, tu peux te mettre sur Wizard qui rentre dans son tour chrono. Ok, je suis avec Fatal. Wizard vient de passer la ligne. Je me mets avec Fatal et après je pars sur Wizard. Fatal qui est en avance. Ça coupe pas, mais c'est sorti large. Non mais il a coupé. Il a coupé. Allez, on part directement sur le pilote Ferrari. Celui qui va être attiré. Oh, ça coupe! Oh, ça coupe! Ça coupe! Eh ben, je sais pas à quoi ça s'est joué parce que je n'ai même pas vu où il a coupé. Ah, ça recharge à mort là! à mort la batterie! Il a un chip là! Non, ça marche! Sur la batterie! Bah oui! Tu la connais pas celle-là? Si, il a pris 40% de batterie en. L'espace de 150 mètres, c'est ça, extraordinaire. Et il va relancer. Alors, 134, 136 et 137. Ça se suit entre le deuxième, troisième et quatrième. On a une sortie de piste de la part de. J'ai l'impression que c'était. C'était Tom. Tom, ok. Guitan se ressort de la voie descendante. On a Check Ismaël dans le secteur 2.
qui n'améliore pas son secteur 1. Eh, un dixième du temps de McQueen. Un dixième du temps de McQueen pour Check Ismaël. Hop, c'est extrêmement serré. Extrêmement serré. Une 8 de 107. Et Fatal qui va en finir. Et Fatal aussi qui est en avance de son tour. Qui va être pas loin. Un petit peu derrière, je pense. Williams à Shox aussi devant. Qui va lancer. Et Fatal. Une 8-7. Eh non, c'est derrière. Sony qui enchaîne les tours, bon, il s'amuse au moins. Check, on a vu. Moustique. Ah oui, Sony. Est-ce que Taxi Julien, hein. Attends. Vas-y. Je voulais aller voir Taxi Julien. Juste pour dire, Sony, il est sorti avec 25 tours d'essence. McQueen. Qui plante le couteau. Il vient d'écraser la concurrence. Il reste 10 secondes à ses pilotes pour l'amélioration. Wizard qui est sur son dernier tour. Ah, c'est sorti pour Fatal. Shox, c'est la fin pour fini. Fatal. Attention. C'est pas mal du tout. Deuxième. La deuxième pour l'instant. On a Taxi Julien également qui va arriver avec son coéquipier devant lui, Guitens. Oh, Guitens, une 0-8-0. Taxi Julien, 7ème. Et Wizard. Et Wizard qui arrive aussi. S'améliore secteur 1, secteur 2 pour Wizard. Oh, deuxième temps, 753. Quel gros temps de Wizard, ça suffira pas pour battre McQueen, mais ça s'est pas joué à grand chose. Terminé. Bravo. Bravo pour ceux qui avaient voté McQueen. Voilà. Ah ouais, bravo. Ouais. Vraiment, bravo. Me fait perdre ma P3, nous dit Shox. Allez. Ouais. C'est dommage, Shox. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Choisir la... Et ça aurait pu être Wizard. J'ai eu aucun vote hein, sur Wizard. Ça aurait pu être Wizard, on le voit. Il n'y a que un dixième et demi. Alors, je voudrais juste signaler que Felkoz, il aurait pu voter pour Wizard quand même, plutôt que de voter pour son concurrent. Non, il a pas voté. Je sais pas s'il a voté, mais en tout cas, il a... Dans le chat... Je pense qu'il a voté pour McQueen, hein. Je pense. Oui, parce qu'il a dit si McQueen et machin, on est tous ruinés. Donc, allez vrai. Guitens partira troisième, on le souligne. Guitens Sénat. Ouais. Et oui. Et Shox quatrième. De Sénat. Et attends, quand tu vois les chronos entre le troisième et le cinquième, c'est extrêmement serré. Il y a une seconde entre le premier et le neuvième. Forcément, Sony ne devait pas participer à cette Q3 et partir dixième. Donc, il a bien En tout cas, ne pas être concurrentiel. Exact. Allez. Parce que c'est pas à noter que ce n'est pas la même chose. Exact. Pour ceux qui s'inquiétaient, qui ont le droit de sortir, voilà. Oui, ils pouvaient. On va vous laisser quelques minutes, le temps de laisser un peu de temps à nos pilotes de se remettre de ses émotions et on se retrouve d'ici quelques instants. Ne bougez pas, on revient très vite. Bienvenue sur notre live de la F1SF. La F1 Simulator France, c'est un groupe créé en janvier 2021 avec pour objectif de se rapprocher au plus près du monde réel de la F1. Aussi, la simulation reste le maître mot. Pour ce faire, tous nos pilotes ont l'obligation d'être au volant avec un passage des rapports de vitesse manuel uniquement. Cette cinquième saison, quatre groupes sont représentés. Le groupe Simu d'abord, roule le lundi soir à 21h.
comme son nom l'indique, il est full simulation et les pilotes n'ont aucune aide à la conduite. Le groupe expert roule le mardi soir à 21h. Il s'agit de pilotes expérimentés qui ont uniquement droit à la trajectoire dans les virages. Toutes les autres aides sont désactivées. Le groupe arcade roule le mercredi soir à 21h. Il s'agit de pilotes méritants qui ont droit à l'ABS, à la trajectoire dans les virages ainsi qu'à l'anti-patinage en intermédiaire. Enfin, le groupe WSF roule un jeudi sur deux à 21h. Il est composé à 100% de féminines, prêtes à tout pour en découdre. Vous souhaitez rejoindre l'aventure? La porte est grande ouverte. Nous recrutons des pilotes de tous niveaux et avons toujours besoin d'en avoir sous le coude pour remplacer nos éventuels absents. Alors pour piloter dans notre championnat, rejoignez notre groupe Facebook en tapant F1 Simulator France dans la barre de recherche. Le nom d'un administrateur vous sera alors communiqué afin que vous puissiez le contacter. Pour finir, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos lives et merci encore. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook et Twitch en tapant dans la barre de recherche F1 Simulator France. Vous recevrez ainsi toutes les notifications de live et ne raterez aucun départ. Vos vues, c'est également ce qui nous permet de nous améliorer dans nos diffusions et de vous apporter du contenu toujours plus sensationnel. Alors merci à tous, pilotes, administration et viewers. Nous vous souhaitons une très bonne course et rendez-vous au premier virage. Et salut à tous, c'est Maître Poivron. Ce soir, on se retrouve sur le circuit de Sao Paulo au Brésil au volant de la McLaren MP4/6. Cette monoplace a couru pour la saison 91 de l'équipe Honda McLaren et a remporté le championnat constructeur et pilote. Au cours de cette saison 91, au bout de 16 courses, l'équipe a obtenu 8 victoires, 10 poles et 5 meilleurs tours. Petit détail, cette voiture a également couru 2 courses en 92 avant que Honda propose l'évolution de cette monoplace. Moteur Honda V12 de 710 chevaux pour un poids de 505 kg, piloté par le légendaire Ayrton Senna qui a été champion à la fin de cette saison 91 et épaulé par l'Autrichien Gerhard Berger qui a fini 4e. Merci d'avoir suivi cette brève page d'histoire avec moi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle archive. Allez, ciao la bise. Allez, ciao la bise. Merci Poivron encore pour ces images. Avant de cette mythique McLaren, pilotée par le légendaire, comme il a dit. Rendez-vous donc pris pour nos pilotes. Le début de course va débuter d'ici quelques instants, quand ils seront décidés à vouloir prendre la piste, car il est 22h. Ça ne saurait tarder. J'ai bien répondu à la prédiction. C'est bon, j'ai rien oublié, donc ça va le faire. Voilà, j'ai rien oublié. Donc ça, c'est tout bon. Rendez-vous demain également pour suivre le groupe expert. J'en tremble. Je tremble déjà. Je sais pas toi, mais je tremble déjà. Sur le circuit de Suzuka.
Ouais. Qui a un circuit mythique et très technique. Ah bah moi je trempe parce que je n'ai pas roulé dessus. Alors j'ai un peu roulé dessus et c'est pas évident. Alors voilà. Pour tout dire, la dernière fois que j'ai roulé dessus, c'était la dernière saison. Donc voilà. On va se régaler. C'est ça. Qui sait, peut-être on va peut-être se taper aussi un peu de pluie. Mais bon, on verra. Ouais. On verra. Allez, c'est parti. Rendez-vous donc Suzuka demain avec le groupe expert et ensuite dans le groupe arcade. Mercredi soir, ça sera sur le Grand Prix. Je ne sais pas. Belgique. Ça sera Belgique sur le Grand Prix de Belgique à Spa. Encore chant pour nos amis du groupe arcade. Et jeudi soir pour le groupe WSF, ça sera donc sur le circuit d'Autriche qu'elle se donne rendez-vous pour leur première sur les 5 courses de la saison. Petit tour de grille. McQueen, Wizard, Guitance, Shox partiront en hard. Nous retrouvons à la 5e position Check Ismail qui partira avec des médiums. On retrouve à la 6e position notre moustique qui partira en hard. Hard. Qui chope bien ses pneus, ouais. Taxi Julien, Tom, oh, fait le call, Fatal. Et ben voilà, ses pneus vont être bien avec Bastien, génial. Avec Bastien, Fatal, Souni, Nenel et The Prodigy partiront en médium. On retrouvera Chat Noir à la 13e position avec des hard. Makeups sera en soft, le seul. Reda qui glisse et perd sa monoplace partira en hard, donc c'est bon, il a les pneus bien chauds. Nous avons Juju RM à bord de sa McLaren qui partira à la 16e position avec des médiums. Isaltar partira avec des médiums à la 17e place. 18e, on retrouvera Kamado. 19e, on retrouvera donc Felkoz avec des hard, à ce que j'ai vu, si je me suis pas trompé. Oui, oui, des hard, c'est ça. Et Bastien comme en hard. Et à noter juste que Kamado, donc avec ses 5 places de pénalité, se retrouve donc 18e. Ah oui, exactement. Merci. C'est pour ça que, voilà, que certains peuvent être surpris de voir des pilotes qui montent d'un cran. C'est normal. Rendez-vous au premier virage! Tout s'est bien passé, tout se passe bien pour ce groupe Simu. On a Shox. Juju RM déjà 11e. Incroyable. 5 places de gagner sur le départ. Incroyable. Comme Felkoz, 5 places. Ça se bat entre Tom et Nenel. Et Juju derrière son coéquipier. Qui a perdu des places. Ah, c'est vrai. Makeups qui a perdu 2 places, oui. Fatal en a perdu 6, Taxi Julien 6. C'est quoi cette caméra là? Avec The Prodigy. Ah, la caméra là. On ne voit rien du tout avec ces caméras. Ah ouais, Ouh, la McLaren de Sony qui passe devant Tom, on l'a vu. Ouais. Dans un endroit pas facile. Non. C'est vrai. Ça va vite. En tout cas, Shox, on l'a vu, il est venu à prendre une place. Ah, Ismaël qui est passé sur Moustique. Felkoz qui passe par la voie des stands. Ouh. Et oui, aileron avant cassé. Aileron avant cassé et fond plat abîmé. Alors, avec qui il aurait pu toucher? Qu'est-ce qui a pu se passer, quoi? Je pense qu'il a touché Fatal. Fatal a le fond plat d'abîmé. Ah non, c'est avec Taxi Julien. Taxi Julien, fond plat très abîmé et le rond avant abîmé. Ah, t'as les dégâts? Bien sûr.
Oh, mais ça, c'est beau, ça. Ben On oui, se avec mon complète, on va se dashboard. compléter. Mais oui. Ah, magnifique. Tout ce que j'ai après. Après. Attends, je t'ai perdu. Tous les Je t'ai autres pilotes, perdu. non, c'est bon, pardon. Non, non, c'est bon. Oh, Alors, Nenel t'es qui attaque revenu. moustique. Nenel qui attaque moustique. Avec les médiums à l'extérieur. Ouais, qui laisse passer. Qui coupe. C'est propre. C'est bien joué. Mais avec le DRS, ça y va. Ça attaque à l'intérieur. Et là, normalement, ça passe sans trop de problèmes. Ouais, c'est J'arrive passé, plus c'est à t'avoir. Ah, ça y est, t'es revenu. bon? C'est bon. Non, tu me dis si tu Ouais, as une c'est bon. recharge. C'est bon? Non, c'était mon logiciel qui voulait pas. D'accord. Et On donc, a vu Nenel, on on a a... vu Nenel là. et donc taxi Julien qui est repassé sur la voie des stands Oui. pour changer l'aileron. Mais ça risque d'être compliqué avec un fond plat très abîmé pour lui. Sunik essaie de faire l'extérieur à The Prodigy qui protège sa position. On a du monde qui est arrivé en caméra, Et ce que j'ai Prodigy vu. surtout qui est très très proche aussi de Moustique. Alors, bouge pas. McQueen est arrivé en caméra. Ça fait Ah, plaisir. effectivement. Je ne l'avais pas vu, tu as raison. Donc, que je le mette en place pour nous tous. Alors là, du coup, il y a du train-train DRS qui se fait, donc là, ça, les places ne bougent pas trop. Ouais, là on est sur le paquet qu'il y a entre Nenel et Fatal. Parce que Nenel et Reda, pardon. C'est ça. Ah, Isaltar Makeups. Et Makeups qui ne passe pas sur Isaltar. Sa stratégie des softs, c'est raté. Ah, Prodigy qui est passé sur Moustique. Et surtout Moustique qui fait une erreur. Parce qu'il y a Sunny qui est très proche. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ismaël qui attaque Shox, qui est passé sur Shox au DRS avant le premier virage, le fameux S. On Ah oui, suit puis en même temps c'est. McQueen, hein. On le voit à l'image. Il est bien là. Ah oui, il est là. Et qui a déjà pris un peu C'est très bien. d'avance, hein, qui a déjà fait le trou. Ouais, Wizard Sunny qui a qui fait le trou sur va Shox. attaquer Moustique. Non, ça Non, ne non, là passera pas. après, on Oh, est. regarde qui c'est qui suit là, 12e et 11e. On a Reda qui est en train de coller son ancien coéquipier. Ah oui, Juju Juju qui le suit, RM. mais après, il y a Juju qui est collé à Tom. Hein. Il est collé à Tom, Ouais. il y a un petit train là. C'est Moustique qui fait Ouais, il y a un bouchon. sacré train. C'est Moustique qui fait bouchon parce que le Prodigy a déjà mis la seconde à Moustique. Et on voit bien qu'il y a déjà 4 longueurs de Ouais, voiture. c'est vrai. À mon avis, Sunny devrait attaquer Moustique. Parce que Moustique a perdu le DRS sur ce tour-là. On va voir ça tout de suite. J'espère juste pour lui qu'il va pas perdre plus de place. Ah, drapeau jaune! On perd Bastien. Drapeau. Sébastien qui Oh, spin Bastien. derrière. Et Sunny qui passe sur Moustique. Sunny qui passe sur Moustique, Ouais. exactement. Oh, mais Sunny qui sort large en premier virage dans le S de Sénac et de suite attaqué par Moustique. Oh, avec son coéquipier, ils sont côte à côte. Attention. Ouais, Et c'est il a évité le coup de Tom qui roue a avec perdu son du temps aussi. coéquipier. On a Reda qui va se glisser à l'extérieur, à l'intérieur. Double Oh, Prodigy qui est dépassement passé sur peut-être. distance devant aussi. Et Reda qui Le est passé double sur Juju. dépassement de Reda. Le double dépassement Magnifique. de Reda sur les deux McLaren. Oh, Fatal sur Sunny. Fatal sur Sunny derrière aussi. Oh là là Et qui là est là 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 passé. là. Oh, le freinage de Sunny, c'est très Il y très a eu bien un joué. accrochage. Il y a Oh, un Tom et accrochage Chanoir. derrière. C'est Tom Tom et et Chanoir. Chanoir qui se sont C'est bien écrasés. Safety fait. car déployé. Safety car. Aïe, 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 aïe. Safety car. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé parce qu'il y a eu
très grosse bataille. Mais Tom, qui était déjà à la limite devant, je pense, j'espère qu'il n'est, que ce n'est pas une grosse erreur. Et Tom qui est complètement l'envers. Je pense que c'est les... On a les deux monoplaces arrêtées sur le bord de la piste. Je pense que c'est un accident, tous les deux. Il y a eu un arrachement des suspensions pour les deux. Ouais. Ouais. Safety car, que vont... Oh non. Ah, JGRM, 5 secondes. Aïe, aïe, aïe. Et est-ce qu'il râle ça a l'air, hein. Ça a l'air, il a pas l'air content. Bah oui, hein, je me doute que ça doit un petit peu rager. Safety car, là. Mais non. Ah ouais. Ah, 5 secondes, c'est peut-être les 5 secondes qui vont faire mal. Après, s'il ne fait pas de faute sur ce circuit, on peut faire beaucoup d'erreurs. Donc les pénalités peuvent tomber aussi. Exactement. Là, j'ai pas accès à ça par contre. Alors, donc qui est passé dans les stands? Ouais, je vais faire un petit point pit. Alors, bah le premier des c'est JURM. Et derrière, après, on a Fatal, Makeup, Sunny, Felcoz et Taxi Julien. Donc, les deux exact. McLaren se sont arrêtés. Ça sent la stratégie d'équipe. Et les deux partent en plus hard. Pour chausser les hard. Ouais. C'est plutôt pas mal joué. C'est des médiums. C'est plutôt pas mal joué. La météo, on a oublié de faire le petit point avant le lancement. Mais la météo, la effectivement. Course. Nous dit beau temps. Durant toute la course. Oui. Je dirais plutôt encore plus beau sur la fin de course. Les flèches d'argent sont en feu, nous dit Francky, oui. Bello qui encourage, enfin qui joli Reda, on encourage Reda dans les commentaires de Jonathan. Ok. Petit coucou, je tâche de regarder après, mais pas sûr que je tiens au juré. Pas de soucis, Jo. Rebisous. En tout cas, ça va redynamiser un peu tout ça, cette safety car. Ça va recoller la Ferrari derrière la Mercedes de McQueen. Taxi Julien qui met des médiums. Qui s'est débarrassé de ses arbres pour remettre des médiums. J'ai pas compris. Non, mais comment il fait McQueen? Le mec tient pas sur le volant. Le mec qui regarde les autres en vidéo sans tenir son volant, quoi. Moi je suis à mon volant, mais moi je fais ça. Je vais boire une bière dans le mur. Bah, moi je vais dans le mur et je vais boire une bière. C'est clair, ok. Je te jure, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Est-ce que ça va relancer sur ce tour-là ou on va faire encore un tour? Elle rentre. Ah, parce que Taxi Julien avait rejoint. Alors, voyons voir. Ceux qui ont mis les hards et les médiums. Qu'est-ce que ça va donner? Check Ismail, je vais faire un petit point sur cette pneu, tiens. 7 tours. Bah, tout le monde a 7 tours, de toute façon, dans les 11 premiers. Ouais. 22% d'usure sur les médiums et 20% d'usure sur les hards. Ouais, mais peu de différence d'usure entre les deux gommes. Exactement. Alors, tout se repasse bien, en tout cas dans le premier virage, sauf pour Bastien qui se fait prendre une place par Fatal. On a Reda qui passe Moustique. Reda sur Moustique. Et... Oh là là, ils sont quatre. Et Makeup, c'est Isaltar qui est passé sur Kamado. C'est chaud, hein. Juju qui est passé sur Kamado aussi. Fatal qui Kamado. Passe sur Kamado. Il y a quelque chose avec Kamado. Il a plus d'aileron avant gauche. Il est orange. Ouais, ça se voit. Donc il n'a plus d'aileron, il laisse passer tout le monde. Alors, qui c'est avec qui il a tapé? euh...
On a les deux Williams, 4e et 5e, qui se suivent tous les deux. Choc Sénénel. Et ouais. Et McQueen qui s'envole déjà, hein, plus d'une seconde. Ah, ouais. Le Wizard, hein, il s'envole. Hein. Il est encore dans... on a encore la seconde, mais tout juste. Oh, ça speed derrière, Isaltar. Isaltar. Dans le premier virage. Ouais. Pas de dégâts, ça repart. Ouais, ouais, il a spiné tout seul. Ouais, ouais. Il repart, il va repartir dernier, en privé. C'est Kamado qui change son aileron. Oh, Felkos qui est passé sur make-ups. Ouais. Et Felkos qui est en train de faire remonter là. Et devant. Non. Ismaël qui est très près de Wizard. Hein. C'est vrai. Shox, ça permet à Shox de recoller aussi. Ouais, ouais. Mais je pense pas que ça attaque tout de suite, ça va attendre le DRS, tout gentiment. DRS activé. Et DRS activé. Ils vont pouvoir l'utiliser. Alors... Peut-être un podium ce soir pour l'Aston Martin. Sony qui est passé sur Bastien. Derrière. Ouais. Après, ça reste assez loin. On a, Oh, Felkos sur Fatal, je l'ai pas... Mais je l'ai même pas vu venir, il était tellement loin. Mais oui, il était tellement loin. Oh, derrière. Il taxi Julien qui est parti à la faute. Ouais, le fond plat, ça doit lui... Ouais, bah il est... Fond plat très abîmé, hein, à rappeler. Le petit point des pneus... Alors on va voir ce qu'on a Ismaël qui va être dans la zone DRS de Wizard, mais qui va être loin. Non mais attends, j'ai pas envie de me faire revoir. Wizard a le DRS. Wizard a toujours le DRS sur McQueen. Il l'a pas perdu. Il a repris 2 dixièmes sur la ligne droite. On va se mettre avec Nenel parce que j'ai l'impression que maintenant Nenel met la pression à Shox, qui a perdu du temps là. Mais on va voir. Pourrait-on avoir le classement? Oui, nous pouvons avoir le classement. Ça va aller très vite. Felkos qui est passé sur Juju. Ouais, Felkos qui est impressionnant. Mais Felkos il va trop vite. On voit pas quand il va faire les dépassements. Non mais il était une seconde derrière Juju quasiment au premier virage, et au deuxième virage non, il est devant. C'est un truc de fou. Incroyable, incroyable. Regardez, il est déjà collé à Moustique. Allez, le classement est là, comme demandé. Shox est en tête avec 35 points pour l'instant, McQueen 30, Reda 25, Nenel 22, Bastien 20. Et ensuite, vous avez l'écurie qui est ici. Et Felkos qui va attaquer Moustique. Après, à noter. Oh, Bastien qui a perdu son monoplace. Bastien. Deuxième erreur pour Bastien. Felkos qui est revenu dans les échappements de Moustique. Hein. Sur la deuxième ligne de DRS, à mon avis, ça va passer. Ah, par contre, il a plus de RS. Hein, il a tout. Ouais, il a plus de RS. Il est en train de tout cramer. Ça va passer sur Moustique. Notre. Felkos. Ouais, Moustique qui veut pas le laisser faire quand même. Hein. Bien sûr, Netty, tu fais bien. Histoire d'avoir un peu une idée de qui joue quoi. Mais écoute, tout le monde joue quelque chose, hein, parce que tout le monde rapporte des points. Chaque pilote qui terminera la course. On remet la grille des points pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être, si tu l'as pas exact, loin. Exact, ouais. Je l'ai pas loin. Et The Prodigy qui a remonté 6ème, hein, et qui rattrape les Williams. Et qui est collé, même qui est collé à Shox. Qui est collé à Shox. Voilà, là, le barème des points. Et le meilleur temps sera de 2 points.
y a Falcoz, il est en feu là. Il a pas le temps. Ah, Juju qui est passé sur Moustique. Mais Moustique qui va défendre, qui va décroiser la réaction. Il y a Fatal, il y a Fatal. Il a le DRS. Fatal derrière. En DRS. Plus. Oh là là, le train. Ils ont DRS sur Juju. Est-ce que Juju va pouvoir se battre? Oui, oui. Ouais, ça ira ça, pas. Bon. Juju, une grosse vitesse de pointe. Hein. Magnifique. Dans un poil large boulot. Pour Juju. Et Fatal derrière qui met la pression à Moustique. Oh, oh, c'est prêt. Est-ce qu'il va attaquer à l'intérieur ici? Moustique a plus de batterie. Ça a hésité. Plus, hein. Il a hésité. Ah, ils ont tous plus de batterie, je crois. Hein. Ouais, ça consomme ici. Hein. Oh, par contre, il va. Qui plonge à l'intérieur. Et non, oui, c'est intelligent. C'est intelligent pour Moustique. À prendre l'extérieur pour ressortir à l'intérieur sur le virage après. Et Souni derrière qui met la pression à Fatal. Oh oui, et au DRS, ça va attaquer. Mais à mon avis, Moustique. Oh, Moustique avec Fatal. Oh là là. Il y a un pilote. Que je sais, j'ai pas vu lequel. Mais là, et Souni pareil, qui a plus d'aileron. Fatal, plus d'aileron, plus de fond plat. Moustique, pareil. Moustique, à mon avis, ça va être compliqué pour lui de finir. Fond plat, ponton, il n'y a plus rien. Écoute, il reste stoïque. Hein. Moustique n'a pas bronché d'un poil à bord de son volant. Ah ouais. Ouais. On a pu le voir. Et là, à mon avis, à voir, mais il y a du pilote. Alors, je n'ai pas vu en détail, mais à mon avis, entre les deux pilotes, il y en a un qui n'a pas été très juste. Allez, Nenel, qui se rapproche encore de Shots. Bastien qui est Prodigy. Ah, Julien qui est sorti. Là, pour taxi Julien, ça vire à l'enfer, je crois. Ouais. Et Reda qui se rapproche de Guitos. Oui. Et Falcoz qui est collé à Reda, Falcoz, je n'avais pas vu. Oh là là. Falcoz qui va... Il va avaler Reda. Eh, pas sûr. Parce que regarde, Reda. Attends, on va faire un. Ouais, j'y pense, Aurel, t'inquiète. J'y pense. Je réfléchis, mais il y a un peu trop d'action là en piste. Y a un peu on n'a pas trop de temps. C'est horrible ce que nous font ces pilotes là. Encore rappel, Reda... sans aide et seulement volant. Tout à fait. Oh, Nenel. Oh, ça y est, Prodigy est passé sur Nenel. Oh, bien joué. C'est bien joué parce que c'est dur à cet endroit-là. Alors, est-ce que ça contre-attaque? Non. Attention aux fautes de Shocks devant qui sort un peu large. Oui, parce alors est-ce qu'il y en a un qui Shocks peut va jouer le jeu de son coéquipier? Est-ce qu'il va jouer le jeu de son coéquipier? Attention, Falcoz sur Reda. Il y a trop d'aide. Non. Mais il va y aller. Oh, il va y aller. À celle d'après, il va y aller. Allez, on va jouer avec une prédiction sur Falcoz. Est-ce que Falcoz finir sur le podium? Oh, on va faire les petits filous un peu plus. Ah, Falcoz qui va sur Reda. Oh, c'est très large. Au DRS, ils arrivent côte à côte. Et Reda qui lâche. Eh non, il freine plus tard. Oh, Falcoz. Incroyable. Il a des pneus surtout beaucoup moins usés aussi. Isaltar qui passe par les stands. Et Prodigy qui est... Ah non, Nenel qui a rattaqué Prodigy. Et qui est Prodigy qui est repassé. Et ça se bat. C'est très serré. On a Nenel qui est collé à Prodigy. Drapeau jaune. Oh, safety car. Souni qui a cassé. Oh, la safety car. Oh, safety car. Souni qui a cassé. Alors là. Et toujours aucune pénalité, hormis Juju. Il risque de le payer très très cher. Et là, tous les leaders qui boxent, bien évidemment. Donc logiquement, on devrait retrouver Falcoz premier. Et sérieux? Oh, Fatal 3 secondes. Bah, Falcoz ne. Non, il s'arrête. C'est Juju qui est premier. Juju est premier.
Juju premier. C'est lui qui va faire la relance. Et oui, en plus, il s'est arrêté, Juju. Il va aller au bout. Il s'est arrêté déjà avant. Il s'est déjà arrêté. Felkov s'était arrêté, il a remis un train de médium. Allez, je pousse de deux tours. Donc ça sera tour 24. Ma question, elle est simple. À quelle place sera Felkov fin du tour 24? Vous avez les réponses possibles qui vous sont affichées. Donc P8 ou moins, vous comprendrez, hein, ça sera de la P8 ou 9e, 10e, 11e, 12e, 13e. Ou P4 plus, ça veut dire P4, P3, P2 ou P1. Voilà. Exactement. Je vous laisse répondre à cette prédiction, vous avez 2 minutes. Si t'as la caméra de McQueen, voir comment il conduit, c'est abusé. Regarde, non, mais c'est abusé. Boîte automatique n'est pas autorisée, monsieur McQueen. Ah oui, mais il y a les doubles palettes, donc il peut tout faire à une main. Mais il conduit un poids lourd ou quoi? Il roule chez Mercedes, il a un poids lourd. Lui. Ah ben oui, le taxi Julien, quoi. Le bras sur le volant. Enlève la boule. La boule des bus. Oh la vache. Non mais sans déconner, quoi. C'est un monstre, mon McQueen. Oh putain, j'en peux plus. Mais j'en peux vraiment plus de... il me fatigue, hein. Tandis que Felkos, tu vois, il est déter. Il me fatigue d'être bon et d'être sauvage à l'arrache. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est que si Julien qui repasse au stand. Et qui va ressortir. Juju. A priori derrière. Juju est bien, il est premier. Ça peut sortir avec, bon pour la McLaren de Juju. 20 et quelques pourcents sur les hards. Donc, a priori. A voir après, parce que le rythme des médiums est quand même bien supérieur aux hards. Ouais, mais on a vu que les. Mais l'usure était similaire, donc. Ouais. Parce que Makeups, qui est pareil, 20-23% d'usure. Et puis bon, bah alors après les médiums, 1% pour McQueen. Wizard, ça doit être pareil. De toute façon. Bah attends, je vais te dire. Hein. Salut à toi, Astro Farox, pardon. Nous, ça va très bien. Bienvenue. En pleine forme. On allait faire le point des pneus. Je suis avec Wizard. Bon, il a les pneus neufs. Donc, bon, voilà. McQueen également. De toute façon, tout le monde a les pneus neufs. En fait, c'est que Juju et Makeups qui ne sont qui s'étaient déjà arrêtés. Oui. Et la relance. Ils ont la même, même usure, Makeups, Wizard. Ouais. On va se mettre avec McQueen, tiens. Comme ça, on va voir la relance qui se passe devant. Alors, McQueen, quand Juju va relancer, est-ce qu'il va relancer tout de suite ou est-ce qu'il va relancer au dernier moment? Je sais pas comment il fait, vraiment. Moi, je fais ça, je suis dans le mur. Ah, je sais pas, c'est des robots. Il joue en IA 110, nous dit Bello. Juju qui va décider de bien attendre. Allez, c'est reparti. Allez, Juju qui relance. Et Makeups, Shox qui est déjà passé sur Ismail. Et attention, Fatal Moustique derrière, je fais attention au premier virage. Oh, ça spin! C'est qui? Makeups! Makeups! Oh, c'est Makeups qui l'a fait. C'est Makeups qui a spiné, on l'a vu. Nenel, elle est passée. Ah là, bah Makeups qui a tout perdu malheureusement pour lui. Check, il va attaquer Wizard. Pas de dégâts. Oh là là, Shox qui se glisse. Shox qui est parti sur Check. Il est passé sur Check, Shox. Ça sort un peu large. Est-ce que derrière... Non, derrière c'est trop loin. Ah, c'était ouf là, l'action. Ah ouais, ouais. Nenel qui met la pression. Après, est-ce que les médiums vont pouvoir faire les 16 tours qui restent? Eh, ça... Ah. Oh, ça devrait. Ça risque de... Oui, mais à la fin... Ceux qui sont en hard là derrière, Jack Ismael, Prodigy, Nenel. Oh, Juju qui s'est raté. McQueen qui est passé sur lui. Allez, rien n'est perdu pour la McLaren, on le voit qui colle bien. Ouais, mais il a peut-être. Ah, Wizard qui va l'attaquer à l'intérieur. Ah, on a perdu la caméra.
Ah Wizard, ouais, qui plonge. Ah ouais, qui est passé. McQueen en tête, hein. Ah ouais. Ah là, puis on voit que par rapport à Juju, hein, McQueen Wizard. Oh, Taxi Julien. Oh, attention la remise en piste. Je pense que Taxi Julien, il veut finir. Quoi ouais, qu'il oui. arrive, non, même s'il a des dégâts, il sait que ça rapporte des points. 17ème, ça rapporte quand même 4 points. Il veut finir. Il a la voiture qui est dans un état. Et make-up, ouais. N'a pas de dégâts lui. Du coup. Reda qui met la pression. Qui est dans Chuck Ismael qui est dans les échappements collé de Juju. À Juju. Ah ouais, collé à Juju, bah après c'est normal. Hein. Ah, oh, ça sort large pour Ismael. Ouais, ça va fort. Hein. Derrière. Ça roule fort. Hein. Ah bah ouais, ça roule très très fort. Une 10.3, c'est mes tours en qualif. Eux, c'est les tours en course. Tout va bien. Reda qui met la pression encore à l'Alpine de Guitens. Et fait le cause sur Prodigy. Ah, les anciens compères. Ça va attaquer. Ah oui. Là, non, il va pas. Faut pas y aller. Si, il va y aller celui d'après, regarde. Oh la vache. Alors, Réaxel, regarde bien, il va y aller. Oh la vache. Regarde bien à droite. Oh la vache, la pression qui met. Et devant, Juju qui s'est fait passer par Ismael. C'est un truc de fou. Ouais, c'est des monstres. Hein. C'est des monstres. Et Nenel sur Juju, à mon avis. À voir. Et là, Juju, il paye l'usure des pneus, je pense. Oh, Staglitz ! Et The Prodigy qui va de suite en profiter. Et Felkos aussi. Oh, Felkos qui va passer entre les deux. Ouf. Ça a failli faire un catastrophe là. Mais c'est des fous, je te le dis. Oh et regarde qui c'est qui va en profiter. Felkos qui va juste passer sur Prodigy. Oh là là, ça se tient bien. Contre où? Ah, regarde Felkos. Le S de Senna qui est passé à deux. Oh là 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 là, mais quel monstre. Ouais, Felkos bien joué parce qu'il a joué. Et attends, mais on est bientôt à la fin de la prédiction. Puisque c'est tour 24, fin du tour 24. Là. Il est passé sur Nenel déjà. Oh là là, incroyable. Fin du tour 24 et il y a une personne qui dit P7, P6 et P5. Donc vous avez été trois à jouer le jeu en le nommant P5, P6 ou P7. Et pour l'instant, il est P6. Et Wizard qui est 5 dixièmes derrière McQueen, on va voir ce que ça donne. Attends, rien n'est encore joué à Aurel. Rien n'est encore joué. Paul Le Poupe après dit Felkos P6 au tour 24. Allez, Felkos qui passe Felkos sur Felkos P5. Ouais. Il a passé Juju. Ah, il a déjà passé Juju. Eh ouais, mais de toute façon, les médiums, ce que je disais par rapport au Hard, il y a. Prodigy qui s'est fait passer par Guitens. Et qui est repassé devant. Donc ça, c'est bon ça. Oh, attention. Il y a Reda derrière. Il a le DRS. Oh, il y a encore Reda derrière. Oh, Reda, regarde Reda. Ouh, Reda à l'extérieur sur les deux. Oh, il y a encore Reda. Bien joué, Reda. Attends, c'est pas fini. Oh. Ouais, ça y est. Oh là 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 là. Reda, bien joué. Très bien joué. Quel groupe de malades. Mais quel groupe de malades. Et tout ça fait les affaires. Ça fait les affaires de Juju qui a déjà beaucoup de tours sur ses hards et du coup il reste devant. Isaltar derrière, pareil, qui va mettre la pression mais qui se fait prendre, mettre la pression pardon, par Fatal. Felkos devant sur Check. Oh non, mais oui, Felkos il est parti pour aller chercher un podium quoi. Il a ressorti les cheat codes hein, parce que là, regarde ça quoi. Alors, incroyable. Nenel qui est passé sur Juju aussi. Ouais, non mais... De toute façon, on sait ici, le DRS, il est ultra violent. Pop. Et là, il y a un petit trou entre Prodigy et Reda.
Ouais. Et Juju et Prodigy. Derrière, c'était fatal avec Isaltar qu'on suivait. Et le changement et, de position entre les As, Kamado et Moustique. Kamado est repassé devant Moustique. Ouais. Taxi Julien ferme la marche avec Mekeps. Et Wizard qui suit McQueen. Ouais. Qui... Et je pense que... Attends. Je vais faire un point sur Wizard. Ah ouais. Les deux, ils n'utilisent pas leur batterie. Hein. Ah non, non. Ah si, là, ça tape dedans, justement, pour Wizard. Et McQueen n'utilise pas, mais là, Wizard a tapé dedans un peu. Faut qu'il reste dans sa seconde. Ouais. C'est tout ce qu'il a à faire, c'est rester dans sa seconde et attendre les trois derniers tours pour vraiment attaquer. Ouais, mais à mon avis, ça va être compliqué parce que je pense que McQueen, dès qu'il va mettre. Il va envoyer le RS, il va partir devant. Juju avec Nenel. C'est une petite faute là pour Juju qui est venu à glisser et ça profite à The Prodigy derrière. À venir ouais, à coller. Ouais, mais avec le DRS, c'est et pas ouais. sûr qu'il y arrive. Il n'y a plus de batterie plus en RS. Plus. Oui. Oh, ça plonge pour The Prodigy. Oh, Juju. Oh, la glisse. Oh, et Léna qui est passé, qui a anticipé. Ouh. Et attends, c'est pas fini, Guitance. Non, non, Guitance, ça passera pas, oh Juju là, intérieur. Oh là là. Quel spectacle. Aïe. Oh, ça profite à Fatal. Oh, Fatal. Isaltar qui prend pas trop de risques. Oh, ils attendent! Oh là 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 là! C'est des malades! My god! Ce spectacle, il est unique! C'est ce groupe Timu qui et vous l'offre! Et Wizard qui se rapproche, qui est plus qu'à 3 dixièmes! Aïe. Il rapproche, il gagne 2 dixièmes par tour! Ah oui, tiens, regarde! On va aller voir direct! Regarde-moi ça là! Et ERS à l'identique. Et là, il est collé à lui. Collé. Il a 2 dixièmes d'avance sur son dernier tour à McQueen. Wizard. C'est dans secteur 2 McQueen... qu'il perd. Même usure des pneus quasiment. À moins que McQueen surchauffe ses pneus. Je vais regarder les températures. Et ben oui, c'est ça. Les médiums de McQueen, 99 degrés à l'avant-droit. Ouais, ça... Et on est à 92-93 pour Wizard. Donc McQueen, à mon avis, ne peut pas beaucoup attaquer plus fort. Il risque de la perdre. Ouais. Surchauffe des pneus, ouais. Quand on approche des 100 degrés, c'est que 80... ça commence à taper. 96 à l'arrière-droit, à l'arrière-gauche, pardon. Ça fait beaucoup. Mon dieu, mais on va avoir des... Oh, le groupe Simu, entre moi, les affichages et toi qui va pouvoir nous dire les dégâts des voitures et tout. Oh là 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 là. Ça va être monstrueux. Et Fatal, ouais, qui perd un peu de temps sur Juju, mais Fatal qui a beaucoup de dégâts. Lui qui avait le fond plat abîmé. Ouais. Voilà, et Isaltar qui revient dans les. Qui revient, qui est collé. Hein. Ça va, à mon avis, bientôt attaquer. Attends, je vais juste mettre fin à la prédiction. Donc ah oui, il est P4. Hein. Ah oui, il était P5 au moment de la prédiction. Si je dis pas de bêtises. Eh ben écoute, il y a qu'une personne... Oh, Fatal qui est cassé. Non. Si. Oh non. Fatal qui est cassé, au milieu de la piste. Safety car. Aïe. Alors là... Oh non. Alors là, quel va être le choix d'ingénieur? Qu'est-ce que va faire McQueen? Est-ce que ça boxe ou ça boxe pas? Juju, faut qu'il boxe. Ah bah Juju, il a pas le choix parce qu'avec ses 5 secondes, il est mort sinon. Et ça boxe! Eh oui. Wizard, ça boxe. Shock, ça boxe. Et Felkos, ça boxe. Ismaël. Ça boxe aussi. Nenel, ça boxe. Est-ce que Prodigy ne boxe pas? Prodigy ne boxe pas. Reda non plus. Bravo, temps de sweep 72. Et Felkos, premier. Ah, mais. Oh non! Le drive-through. Le drive-through de Makeups. Pardon. Oui, non, ouais, pardon. Moustique, 5 secondes aussi. Oui.
Et Juju qui a passé sa pénalité quoi de 5 secondes. Eh ben oui, bien sûr. Donc par Juju contre, qui a ressorti très en... Souni, deuxième course d'affilée qui ne finit pas. Ouais, il casse. À souligner. Donc c'est très rapide en qualification, mais attention, il faut garder quand même et oui. Sous le pied pour la course qui reste très importante, la plus importante. Tout à fait. Alors, Felkoz premier, Prodigy deuxième, mais en hard, Reda troisième en hard, Bitance quatrième en hard, et McQueen cinquième avec des softs, et Kamado sixième avec les médiums. Et derrière, on a un trou, et on a que Wizard avec Kamado au milieu qui est en soft. Et ensuite, tous les softs, soft make-ups, mais qui a deux tours, qui est dernier, je veux dire, pardon. On est sur The Prodigy là, donc qui a environ alors... 20% d'usure. Reda qui est à environ 25% d'usure. Guitance est à 27%. Et ensuite nous repartons sur des pneus neufs. Sauf Felkoz, Kamado. Contre, qui a... Kamado ne s'est pas arrêté. Non, mais Felkoz non plus. Et Felkoz qui a des médiums de... avec 33% d'usure. Ouais, on a fait le point là. Et là, à voir s'il va. Il arrivera à lutter avec les softs. Sur 6 tours, ça me paraît dur. Ça va être compliqué. On fait le point puisque on va vous faire jouer tout à l'heure. Ne l'oubliez pas de qui vous allez souhaiter voir comme pilote du jour. On fait le point un petit peu sur les positions de gagné, perdu. 18 positions pour l'instant pour Felkoz, 12 pour Reda et Kamado, 10 pour The Prodigy. Ensuite, nous allons Bastien qui est quand même remonté à la deuxième position avec 8 places de gagné, Isaltar 6 et 3 places de gagné pour l'instant pour Juju. Ensuite, les perdants sont Guitance, McQueen, Wizard, Shox, Check Ismaël, Moustique, Taxi Julien, Makeups. D'ici 2-3 tours, on va vous faire jouer, vous faire répondre à un sondage de qui vous voyez comme pilote du jour. Bien évidemment, s'il termine sur le podium, ça sera celui qui aura écopé d'une de voix supplémentaire. Voilà. Et ça va être reparti pour 6 tours qualif. Allez, Felkoz. Alors, quand est-ce qu'il va relancer? Moustique est prêt. Juju est prêt. À noter que Felkoz est en première. Felkoz est prêt. Allez, c'est parti. C'est reparti. Oh, le crash! Le Guitance! À la réaccélération! Non! Alors, qu'est-ce qui... McQueen qui passe de suite sur Wizard. Ouais. Oh là là, McQueen qui va être retrouvé juste derrière Reda. Est-ce que ça va jouer l'équipe? Oh, l'erreur! L'erreur de Wizard! Oh, Wizard, encore une erreur, deuxième erreur de suite. Aïe. Dernier, il ressort tout à la fin. Puisque Makeups repasse au stand. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui va se décider chez Mercedes? Ah. On les voit est-ce ensemble. Est-ce que Reda va laisser passer McQueen ou est-ce que ça... ou alors est-ce qu'il n'y a pas de condition et ça va attaquer? Alors, je pense qu'il y en a un qui a dû mettre tout le monde d'accord. Là. On a Isaltar sur Kamado. Kamado qui n'a pas changé de pneu. Hein. Regarde, Reda a laissé passer McQueen. Allez. Il s'est mis à l'extérieur, il l'a laissé passer. Ça va aller chercher The Prodigy maintenant. Bien sûr. Attention, il y a des avertissements qui tombent. Et oui, parce que derrière, on a Shox derrière Reda. Qui est en soft, donc à mon avis, il va protéger. Ouais, McQueen qui vient chercher le meilleur temps. Ah oui. Ouais, McQueen qui va y aller sur Prodigy, à mon avis. Ouais. L'extérieur, mais... Ouf. Pour Prodigy, ça s'est décalé, ça zigzag. Ouais, ça protège l'intérieur hein, pour The Prodigy. Ouais, mais c'était un peu dangereux. McQueen qui... je sais pas ce qu'il raconte. Hein.
Ça doit parler à son coéquipier en râlant un peu. Ouais. Oh, ah, Juju. On perd Juju qui spin. On retrouve Juju dans l'herbe. Allez, Juju, t'es le seul à pouvoir mettre des points. Ah ouais, faut que tu finisses, Juju. Allez, McQueen qui reste collé. Ouais, et Shox aussi qui est collé, Reda. Ah, c'est passé pour McQueen. Et Shox n'est pas passé sur Reda. Allez, je vais faire un dernier point. Et Wizard. Wizard qui est passé sur Moustique. Et qui attaque Taxi Julien tout de suite. Bastien qui est passé sur Kamado. En soft. Avec les Kamado en médium qui va perdre du terrain. Attends, je vais... Reda. Alors, on a Reda, Bastien, Kamado et Zaltar. Et on a toujours Felkos qui est toujours hors des, de la seconde, à voir, à mon avis, sur le prochain. Ah non, non, il va plus vite. Felkos a une bien meilleure vitesse de pointe. Wizard qui passe sur Kamado. Mais ça revient. Allez, gros, gros, gros freinage de McQueen. Ça attaque très fort pour revenir. Ça va attaquer fort, là, sur Felkos. Et attention. Là, ça y est, il a le DRS. Ça te rappelle rien, ça, de voir McQueen Felkos devant, là? Ouais, ça me rappelle quelque chose. Oh, Kamado, 3 secondes. Ça me rappelle les 5 secondes et de pénalité Reda, de Reda sur Prodigy. Reda sur Prodigy et Shox sur Reda. Et avec Ismaël qui est... Ouais, Shox, il est vraiment très collé, là. Ouais, mais Reda est collé aussi, mais... Allez, vous avez... Reda défend très très bien. Une minute pour nous... Attention. Pour nous donner le pilote du jour parmi ces 4 pilotes. Bien évidemment, s'il termine sur le podium, attention, ça sera le pilote. Donc vous avez en commentaire le sondage pour savoir qui sera pilote du jour entre Reda, Bastien Kamado et Isaltar pour les gains de place de chacun. Et McQueen sur Felkos, ça passe très facilement. Oh, j'ai raté ça. J'étais sur le sondage. Oh bah... Oui, mais c'est... Avec le DRS. C'est passé au DRS et... Attention, Reda sur The Prodigy. Non, peut-être pas. Maintenant. Taxi Julien qui passe sur Kamado derrière. Les chocs. Ça tente. Et il le pousse dehors. Il le pousse à la faute. Sans le toucher, bien évidemment. Ouais. Ça met la pression, hein. The Prodigy le sent. Et les deux n'ont plus de RS. Ça plonge pour Shox. C'est large pour Reda. C'est large pour Reda. Oh, Shox, ça l'arrête, celle avec les softs. Oh, ça... Oh là 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 là. Le combat de la quatrième place entre Shox et Reda. C'est monstrueux. Shox qui passe. Ouais, Shox qui est passé avec les softs. Le grip à l'extérieur. Oh la vache. Oh. Ah oui. Allez, Shox qui est tranquille avec qui a beaucoup plus de RS que les autres. Que Reda en a plus. Attention à check derrière Reda. Et c'est Nenel. Oh, il le contact. Nenel. Le contact. Oh là 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 là. Ah oui, Reda. Check qui envoie spinner. Check qui envoie spinner, malheureusement Reda. Allez, suite allez, à un allez, contact là, sur l'aileron arrière. Allez, là il y a un freinage qui a été raté. Oh, Nenel, pareil derrière qui sort large. Mais c'est trop loin derrière. Et Prodigy qui est sur le podium, toujours du coup. Eh oui, The Prodigy qui va profiter de ses actions derrière. On va se mettre avec les leaders pour le final. Felkos qui suit McQueen. Ouais. Qui pourra rien faire, mais il fait une grosse remontée.
énorme remontée de la part de Felcoz. Ouais, qui a joué tous la, déçus la pour Eda. Ouais. La victoire ce soir sur le Grand Prix du Brésil appartiendra à McQueen pour l'instant, sans avoir les commissaires qui sont passés. Exactement. Mais la belle victoire de McQueen ce soir sur le Grand Prix du Brésil. On retrouvera Shox à la troisième position, Felcoz deuxième, The Prodigy qui laissera donc le podium à Shox. Et malheureusement, Reda dégringole à la 11e place, mais vous l'avez quand même nommé comme pilote du jour. Et on va avoir malheureusement son aperçu. Et oui, vous avez été nombreux à voter pour Reda, donc Reda, pilote du jour. On va pouvoir les inviter. Si tu peux t'en occuper, s'il te plaît. Reda et notre podium. On va faire un petit point. Alors. Donc on a dit McQueen, Reda et Shox. McQueen, Reda, Shox. Alors. Okay. Reda. On a la caméra Shox. Tiens. Je vais pouvoir mettre la caméra de McQueen. Est-ce qu'il est notre ami Felcoz? Et on a la caméra de Felcoz. Et déjà. Oui. Si on peut prévenir Reda aussi, qu'on l'attend. Reda, si Salomé, tu peux prévenir Reda. Oui, qui nous rejoigne. Shox à la troisième position. Et le pilote du jour, ça sera donc Reda. Voilà. Donc, Hop là. Allez, on refait un petit peu. Normalement, tout le monde est invité. Impeccable. Je te remercie. De rien. Et donc, le victorieux avec le meilleur temps. Le souligner en 1,9545, donc ça lui fera 2 points supplémentaires en plus de ses 35 points, donc 37 points de gagné par McQueen qui passera donc forcément en tête du championnat puisque Shox terminera la troisième, donc McQueen passera devant. Il y aura 5 abandons quand même. Oui, allez, place au podium tout de suite. On va retrouver tous nos pilotes, j'espère que sont en forme pour nous répondre. Alors, Michael McQueen qui est là. Shox est parmi nous. Et il manque Reda et Felcoz. Ils n'ont pas envie de nous rejoindre. J'ai perdu. Tu as enlevé ta caméra, McQueen, par hasard? Tu veux voir ma tête, c'est ça? Ah bah, tu t'es mis en caméra. Reste-y. On veut voir ta. On va voir ta tête de vainqueur. Quand même. Ah, c'est de dire. Ah, merci. Ah, voilà. Allez, est-ce que notre pilote du jour, Reda, nous a rejoint ou pas? Ah non, Reda, il a éteint. Il a trop la rage, là. Ok, bon, c'est dommage. C'est pas impossible. Nos viewers l'avaient nommé, hein, pilote du jour, suite à sa belle performance. Donc, s'il est là, dans les commentaires, en tout cas, je vais essayer de lui envoyer un message. Félicitations quand même, t'avais fait une course monstrueuse. Il faut le souligner. Ensuite, on va passer à notre troisième. Le temps que si il veut bien se décider à venir. Shox, qui est encore sur le podium. 2 fois d'affilée. Est-ce que ça sent bon quand même? Est-ce que ça fait plaisir de se voir à cette position? Oh oui, franchement, c'était tendu. Une course riche en, pas dire peut-être en émotion, mais en... ça bougeait tout le temps, c'était fou, c'était, j'ai kiffé franchement. Les deux premiers je pouvais pas les chercher, déjà la qualif pour moi P3 j'aurais pu aller chercher, les deux au dessus c'était pas possible. Puis après
rythme de course était assez correct. Bon, il y avait les deux fusées de devant, McQueen et Wizard, que je tenais pas. Et puis après, après Safety Car, je sais pas comment dire, bon, elle était partagée entre Medium Air, donc ça s'arrangeait ni l'un ni l'autre. Et après, bah, la deuxième, donc les médiums, ça allait au bout, donc c'était bon. Puis après, la troisième, ça nous a quand même fait douter. Parce que je me suis dit, je ressors 8ème avec des softs. Je suis pas sûr que ça soit le bon move, parce que bah au final, quand je vois Felco, peut-être fait le bon, la bonne strat. Mais dans tous les cas, j'aurais pas pu, même si je me serais pas arrêté, j'aurais pas pu. J'aurais peut-être joué la deuxième, voire troisième. Bah, troisième. Et encore. Donc, on va dire, je profite des malheurs des autres sur la relance. Parce que je vois qu'il y en a deux qui partent en spin, une qui casse et un autre qui part en spin. Puis après, grosse bataille avec Reda et Prodigy. Je voyais que Reda bouffait le RS, donc du coup, j'ai gardé le RS pour pouvoir le taper à la fin. Et puis au final, bah, ça a porté ses fruits parce que l'avant-dernier tour, je l'attaque. Je voyais que Prodigy et Reda avaient plus de RS, donc je me suis dit faut que je double Reda coûte que coûte. Et puis après, même si j'ai pas le DRS, je rattraperai Prodigy. Puis au final, ça s'est fait sur la ligne à 30 millième, donc super content. Donc Williams en fait pas, du coup, je fais P3 et Nenel P5 qui lui a eu un peu de mal avec les blocages de roues et tout. Donc bien joué à lui. Et puis ouais, on est sur des gros points pour Williams, donc c'est cool. Et puis sinon, bah, bien joué à tout le monde, c'est compliqué. Et bien joué à McQueen qui était injouable. Et Wizard aussi. Puis bah, Felco qui a fait super remontée. Écoute. Ouais. Bon, ouais, t'as très bien. T'as très bien. Et en plus, voilà, bah, ouais, vous avez encore performé là où personne s'y attendait, j'ai envie de dire. Donc bravo. Bravo Williams. Bravo à toi, Shox. Merci. Merci. Oui, belle course. Ça reste propre et puis surtout efficace. Pas de dinguerie. Et c'est le plus important. Exactement. Et du coup, notre ami Felcoz. Ouais. Ça ou quoi ? Voilà. Bon, grosse remontée pour toi. Tu fais le choix de rester en médium sur la dernière safety car. Écoute, Paris, a priori, plutôt gagnant. Kelly, faut que je me suis fait avoir, ça me lève sur la fin. Je voulais pas ressortir, je me dis, bah, c'est bon, ça a passé, mais Frina a bien fait pour moi. Donc, je pars P19, je me voyais pas aussi loin, donc ça m'apprendra. Je sais que sur l'appui, rien n'est joué. Et du coup, bah, après, virage 1 compliqué, son casse les longs. Ouais, c'est ce qu'on a remarqué. Donc voilà, quelqu'un qui fait calo au point de virage, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive peut-être moi aussi d'anticiper, mais c'est pas grave. Du coup, casse d'aileron, bon, je me faisais pas de soucis, je me doutais qu'il y allait avoir une petite sceptique. Et au final, il y en a eu 2-3 qui étaient dans mon avantage. Donc, j'étais full à l'attaque, j'étais full dépassement, j'ai usé toute ma batterie, j'ai pas le choix. Quand j'étais dans le peloton, je perdais trop de temps. Et après, ouais, dernière sceptique, je décide de pas boxe parce que Wizard était devant, il allait me faire perdre de place. Donc, je pouvais pas boxe, j'étais pas loin, je ressortais, je pense, dans le 10. Donc, je dis, bête, t'es quoi, je reste en piste. Et j'étais avec McQueen à l'ironie tôt ou tard, et après voilà, j'ai assuré la P2 et je pouvais pas espérer mieux, honnêtement. P19, P2, c'est voilà, on prend. Bravo! Bah, c'est clair! Voilà. Et ouais. Petit big up à Wizard, malheureusement, qui a pas de chance, qui a eu un petit problème à la relance. Donc ouais. Voilà, il méritait mieux, mais ouais, bah, pour Singapour. Merci Felcoz, félicitations bien évidemment à toi, à ton coéquipier quand même. Il fallait le faire et donc bien joué. Mais ce soir, c'est un chauffeur de bus, messieurs dames, qui a gagné ce grand prix. Nous aura fait rêver encore et toujours la victoire de McQueen. Est-ce qu'elle sera vraiment décisive, celle-là ? Est-ce qu'elle sera vraiment pour de bon, cette victoire ? Bah, je pense que celle-là sera pour de bon. j'ai croisé personne en piste ce soir, donc je pense qu'elle sera pour de bon. Bonsoir, les gars. Comment tu vas ? Bah, écoute, écoute, ça va. Ça va très bien. Bon, il y a Tipel qui me disait en même temps que vous foutiez de ma gueule dans le live, donc c'est parti en fou rire avec Reda dans la vocale, mais...
Mais voilà, c'est ça. On a remarqué. On t'a vu. Bah, j'avais oublié qu'il y avait la caméra et sous ce car, je conduis d'une certaine façon, donc. Ah bah, il y en a eu une main, à l'arrache, quoi. Et la course, bah écoute, la qualif, je savais que j'avais du rythme sur ce circuit, c'est un de mes circuits favoris. Sur la qualif, je me foire un peu, mais ça fait quand même la pole. Je fais un départ canon. Le premier relais avant la première safety car, j'arrive à sortir Wizard à 2 secondes et j'étais tranquille, du coup j'utilisais pas ma batterie. Et quand il y a eu le safety car, j'ai pas réussi à le sortir de la seconde, donc c'est très compliqué avec les deux grosses zones DRS sur ce circuit là. Donc je savais que j'avais un peu plus de vitesse, même beaucoup plus de vitesse de pointe que lui parce qu'il remontait pas dans la ligne droite. Donc ça m'a permis de recharger mon ERS. Et après, il y a eu la safety car qui est tombée au bon moment pour les médiums. Donc on a box. À la relance, il y a Makeups qui part devant moi à la faute. Donc je perds 2 secondes sur Juju et je suis obligé de sortir un peu large. J'ai cru qu'il allait m'empaler avec lui, mais c'est allé sur ce coup-là. Et après, bah, je reprends la tête. Ah, il aurait pu. Après, bah, je reprends la tête. C'est le même schéma. Wizard à 6-7 dixièmes et qui n'arrive pas à remonter. Je pense qu'il avait un manque de vitesse de pointe. Et après, la dernière safety car. Je pense que j'ai pas hésité parce qu'il restait 8 tours. J'ai regardé l'usure de mes pneus, j'ai vu que j'étais à 35%. Je savais que si je mettais des softs, ça allait au bout largement et que j'allais avoir un avantage d'une seconde et demie par tour. Donc c'est ce que je fais. Wizard fait la même. Et en fait, là, je vois derrière moi dans le rétro que Wizard sort sur la ligne avec ses Kamado, c'est ça? Et du coup, Kamado centre entre Wizard et moi, et je me dis, j'ai déjà Wizard en moins à penser au restart, quoi. Et au restart, j'ai Guitens qui part à la faute, qui a failli m'empaler lui aussi. Donc je perds encore une seconde et demie sur Reda et Prodigy. Reda me laisse passer et je tombe sur Monsieur Prodigy. Je tombe sur Monsieur Prodigy. Qui m'a pas donné la fin, qui m'a pas rendu la vie facile, quoi. Je pense qu'il y a un truc. Prodigy, hein. Il y a son move, bon, on verra ça en commission. Il y a son move en ligne droite que j'apprécie pas trop. Bon, ça rend... je l'ai noté là sur la première ligne droite. Là, il est à l'intérieur, il revient à l'extérieur. Je trouve pas ça très propre de sa part, mais bon, c'est comme c'est ça. Bon, je repère 2 secondes sur Felcose, mais je savais qu'il me restait de la batterie, que j'allais revenir. Et qu'il fallait que je lui prenne la victoire qui m'empêchait de prendre la semaine dernière. Donc, ciao Felco sur la ligne et après la victoire, quoi. Donc je suis content. Non, je suis content. Et j'espère qu'il partira pas P19 pour qu'on ait une vraie bataille. Et pas que soit il spin et qu'il rentre direct à Maranello, je vais y arriver. Ou qu'il parte loin derrière. Et bravo à Shox pour le podium encore une fois, parce qu'il devrait pas être en Williams, lui. Ils devraient être en Red Bull. Mais ils nous ont bernés, les Williams. Ils sont leaders du championnat constructeur. Moi, j'ai Reda, le pauvre. Il s'est fait tuer par une Aston Martin ce soir. Alors qu'il faisait une course de fou. Le karma de course. Vous inquiétez pas. Vous nous connaissez. Ça sera bien évidemment réglé en temps et en heure. En attendant, félicitations à vous 3 et 4 avec Reda, qui est pilote du jour, malheureusement. Malheureusement, voilà, il aurait pu connaître mieux. Retour au début. Tac. Oui. Merci Gadgat d'avoir été avec nous. Merci à tous, merci à vous tous. C'était le Grand Prix du Brésil, donc avec le groupe Simu. Demain, vous allez retrouver le groupe expert qui vont venir se dérouler sur le Grand Prix. Si je vous entends, parce qu'il y a Gadgat avec moi, donc je suis obligé de vous laisser. le groupe expert qui sera donc au Grand Prix du Japon. Ensuite, mercredi, vous allez retrouver le groupe Arcade qui seront sur le Grand Prix de Belgique. Et le groupe WSF jeudi soir sur le circuit d'Autriche. En attendant, on va vous souhaiter de passer une très bonne fin de soirée. Merci de nous avoir suivis. Vous avez été encore nombreux, donc ça nous fait extrêmement plaisir. Passez tous une bonne fin de soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le course de sprint à Singapour en compagnie du groupe Civil. Et la case de McQueen.
Et sinon, ouais. Dès demain, sur nos antennes, comme d'habitude. Gros bisous, Gat-Gat. Merci beaucoup. Gros bisous. Bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Yes. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Bisous. Allez, bye bye.